Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons débuter la séance. Avant de débuter, je vous inviterai à vous lever afin d'observer un bref moment de recueillement. Notre collègue, Mme Guy-Boivin, est absente ce soir en raison du décès de sa maman. Alors, je vous invite à avoir une pensée pour elle. Merci. Nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Beaulieu. Oui, je voudrais proposer l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 4.8 et aussi suite à la plénière hier des élus, le comité exécutif propose de retirer les points 7.2 et 8.14. 7.2 et 8.14. Monsieur Léger. Merci, Madame la Présidente. Je demanderai aussi le retrait du point 2.8. Alors, avec le retrait du point 2.8, Monsieur Beaulieu, vous étiez appuyé dans votre proposition. Je l'appuie, Madame la Présidente. Et Monsieur Léger. Je l'appuie, Madame la Présidente. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait des points 2.8, 8.14, 7.2 et avec l'ajout du point 4.8. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Notre règlement prévoit une période d'une heure pour adresser vos questions aux membres du Conseil. Alors, je vous invite à faire une brève mise en contexte et en arriver rapidement à vos questions de manière à permettre aux membres de tenter de vous fournir des réponses. J'inviterai tout d'abord M. Carl Lévesque concernant une demande de don. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillères, conseillers, Madame la Présidente, je me présente. Mon nom est Carl Lévesque, je suis le porte-parole de Québec solidaire Marie-Victorin. Je représente aujourd'hui les associations de Taillon et de Vachon, les autres circonscriptions qui représentent la ville de Longueuil. Nous portons à l'attention du Conseil la situation de la municipalité de Restigouche-Sud-Est. Il s'agit d'une petite municipalité de 157 habitants qui se situe tout près de la baie des Chaleurs. Bien entendu, qui dit petite ville dit souvent petit budget. Or, cette petite ville est présentement visée par une poursuite de 1,5 million de dollars pour avoir adopté un règlement protégeant ses eaux potables. Ce dit règlement ne faisait pas l'affaire de la pétrolière Gastem, grosse entreprise pétrolière qui avait réussi à obtenir un permis de forage de la main du gouvernement libéral de Jean Charest à l'époque. Et bon, le projet de Gastem mettait en danger la qualité de l'eau potable de la ville de Restigouche. Bloqué par le règlement adopté par Restigouche pour protéger les citoyennes et les citoyens de cette municipalité, Gastem prend maintenant les grands moyens et poursuit la ville de Restigouche qui se retrouve aujourd'hui sans défense. Cette poursuite représente plus de 5 fois le budget de fonctionnement annuel de la municipalité de Restigouche. Depuis le début de cette poursuite, les gouvernements péquistes et libéraux qui se sont succédés à Québec font la sourde oreille. C'est grâce à des dons que Restigouche a créé son fonds de solidarité afin d'amasser l'argent nécessaire pour payer ses frais juridiques. Ce qui se passe dans cette petite municipalité de la baie des Chaleurs nous touche également ici à Longueuil, au regard très particulier des événements que nous vivons présentement à l'échelle nationale et internationale. Les nouveaux traités signés avec l'Europe et l'ANELA, en renégociation présentement avec les États-Unis et le Mexique, ont tous deux des dispositions permettant à des entreprises privées de poursuivre les gouvernements. Ces entreprises sont souvent des multinationales. Ils peuvent poursuivre les gouvernements pour l'adoption de lois ou de règlements qui menacent leurs intérêts financiers. On met alors de la pression sur les gouvernements pour accepter pour tout projet, même si celui-ci se fait au détriment de l'environnement ou de la qualité de vie des citoyens. Vous serez probablement aussi choqués que moi d'apprendre que jusqu'à maintenant, le Canada, comprenant ici tous les différents gouvernements canadiens de diverses juridictions, ont déjà payé plus de 170 millions de dollars de pénalités dans le cadre de jugements ou d'ententes à des entreprises américaines depuis le début de l'ALENA. Bref, c'est une véritable épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête.
De Matapédia à Saint-Bruno, plusieurs municipalités ont déjà affiché leur solidarité avec la cause de Restigouche, en contribuant financièrement à leur fonds de défense juridique. Rappelons que Restigouche se bat avec courage, non seulement pour ses propres citoyens, mais également pour l'ensemble de la population du Québec. Leur cause sert à montrer aux multinationales qu'au Québec, ce n'est pas l'argent, mais toujours nos institutions démocratiques qui décident des enjeux environnementaux. Longueuil est une des plus grandes villes du Québec, et vous avez l'opportunité, avec cette cause, d'affirmer votre leadership pour conserver l'autonomie et la compétence des villes en matière de protection environnementale. Pour se défendre, la municipalité de Restigouche a besoin de 328 000 $. Actuellement, elle a réussi à amasser, grosso modo, 70 % de cette somme grâce aux dons de citoyens et de citoyennes, d'organismes et d'autres municipalités à travers le Québec. Je vous demande donc si la Ville de Longueuil serait prête à effectuer un don au Fonds de solidarité de Restigouche. Merci beaucoup. Merci. Madame Parent. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, les faits énoncés par les citoyens sont très, très justes et très bien documentés. Pour vous dire, étant donné que cette cause, comme il a été bien dit, touche l'ensemble des municipalités du Québec, puisqu'elle concerne directement l'autonomie municipale, nous avons interpellé dès aujourd'hui le président du caucus des grandes villes de l'UMQ, M. Maxime Penneau-Jobin, afin qu'il réponde favorablement à ce deuxième appel de contribution au Fonds de solidarité de Restigouche. Rappelons que l'UMQ a contribué pour un montant de 10 000 $ en 2014, et dans cette perspective, je souhaite vivement que l'UMQ demeure sensible à cette cause et nous entendons bien les convaincre, Madame la Présidente, qu'ils puissent faire un second don à la population de Restigouche. Merci. J'inviterai maintenant M. Éric Gagné concernant le service 311. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je veux m'adresser à Mme Saint-Hilaire. Le 311, c'est vraiment dégueulasse qu'on appelle à la Ville de Longueuil. J'ai jamais vu une ville aussi mal organisée que Longueuil. Monsieur Gagné, lorsque vous prenez la parole, vous devez vous adresser à la présidente. OK. Je m'excuse, mais là, je comprends que vous interpellez quelqu'un d'autre, mais vous devez quand même vous adresser à moi. Mais regardez, c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a des choses, mais je ne pense pas que ça soit réglé, l'affaire du 3-1, puis à un moment donné, c'est comme tannant. Ça fait au-dessus de 2 ans que le problème est là. Puis, regardez, ça n'a jamais, jamais, jamais été réglé. J'ai appelé la semaine passée, j'ai attendu 25 minutes en ligne. Et ça n'a pas d'allure. Des règlements là, le problème, c'est quoi qui arrive? C'est quoi qui arrive actuellement? Parfait. À chaque fois qu'on appelle, ils nous disent toujours, ah, ils sont bien occupés. Mais je comprends pas le pourquoi. Y a-t-il quelque chose qui bloque dans le système informatique? Y a-t-il un empêchement? Y a-t-il une grosse file d'attente? Un moment donné, on ne sait plus. T'sais, ça devrait. Je comprends que chaque appel est traité par ordre de priorité, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas de sens. Une ville comme Longueuil, qui est aussi mal organisée au niveau du centre d'appel. Je ne suis vraiment pas content de notre ville en tant que citoyen. Il y aurait beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là. Merci. C'est votre question. Merci. Madame la mairesse. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Gagné, merci de votre question. Vous allez peut-être être surpris, mais je pense qu'on est plusieurs à penser que le service de 3-1 n'est pas parfait. Madame la Présidente, je pense que l'ensemble des élus, depuis le service est en place, le 3-1, il y a quelques ratés. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça peut être amélioré? Oui. Est-ce que ça va l'être? Oui, Madame la Présidente. J'en parlais justement avec le directeur général au retour des vacances. Et il est lui-même sensible justement aux préoccupations de l'ensemble des élus. Et à chaque conseil, vous êtes nombreux, nombreuses. Chaque comité exécutif, on soulève les préoccupations des citoyens. Il y a du temps d'attente, effectivement. On me faisait rapport et le directeur général est mandaté pour régler le problème le plus rapidement possible parce qu'effectivement, il y a des lacunes. Je voudrais juste rappeler, par contre, puis c'est important de le dire, Madame la Présidente, ça fait pas non plus 25 ans que le service est là.
ça fait à peine bon, 3 ans. Donc, il y a des choses à améliorer, c'est vrai, je vous le concède. On me faisait rapport aussi, Madame la Présidente, que quand on compare les services de 3-1 versus d'autres villes, parce que d'autres grandes villes ont ce genre de système-là, nous sommes vraiment en deçà des ressources. Il y a à peine 5 personnes qui répondent au téléphone et de toute évidence, on manque de ressources. Alors, cette semaine, le directeur général a pris le mandat pour faire en sorte d'améliorer le service avec notre service de communication. Alors, simplement vous rassurer, je sais que la réponse n'est pas satisfaisante parce que demain matin, 3-1 ne sera pas performant encore. Mais sachez que oui, nous vous avons entendu, nous sommes à la même place que vous. Le directeur général aussi a entendu et je pense que lui-même a vécu l'attente 30 minutes au 3-1. Donc, mais en même temps, il y a des humains dans l'appareil municipal. Il y a des choses à bonifier. Tout le monde prend à cœur ce dossier-là. Je veux juste vous rassurer, mais c'est dans la bonne voie. Et je suis confiante que dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez voir des résultats. Mais je vous remercie tout de même de votre patience, M. Gagné, et les autres citoyens, bien entendu. Merci, Mme la Présidente. Merci. Merci, M. Gagné. J'inviterai maintenant Mme Lucie Gélinas concernant des arbres, un trottoir et des cônes oranges, je crois. La signalisation. Bonsoir. Bonsoir. Pour enchérir avec monsieur, vous vous souvenez que pendant la période de Noël l'année dernière, j'en avais parlé, que j'avais attendu 20 minutes. Donc, on est rendu 8 mois plus tard et on revient encore avec un vieux problème que j'avais souligné il y a de ça 8 mois. Première question concernant ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le Grand Longueuil, c'est qu'il y a plusieurs variétés d'arbres qui sont morts un peu partout, soit sur les terrains privés, soit sur la ville, les terrains de la ville. Et j'ai lu dernièrement qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là, qu'il y a des variétés qui vont, avec les changements climatiques, qui vont se décimer à cause de ce qui se passe, les changements climatiques. Donc, ma question est, est-ce que Longueuil a entrepris de faire... qu'est-ce que Longueuil a entrepris de faire pour pallier au problème très grave qui se produit à l'heure actuellement avec la mort de plusieurs variétés d'arbres? Deuxième question, toujours concernant les arbres. On sait qu'il y a plusieurs constructions nouvelles qui s'effectuent dans le Grand Longueuil et que la ville a une règle stricte à savoir qu'il doit y avoir des espaces verts sur chaque terrain et des arbres. J'en ai parlé ici aussi dernièrement, qu'il y a des règles à respecter par les contracteurs ou les propriétaires de nouvelles maisons. Alors, ma question est, quand est-ce que la Ville va prendre ses responsabilités environnementales et faire appliquer ses propres règles concernant justement les espaces verts, les arbres et tout ça? Encore concernant les arbres et les végétaux, on sait qu'au parc de la Cité, il y a plusieurs milliers de dollars qui ont encore été investis dernièrement en aménagement, entre autres, avec la plantation des arbres et du gazon. Et ce qu'on voit visuellement, là, ça prend pas plus que le voir visuellement, on voit qu'un versant où est-ce qu'il est vraiment affecté par le soleil, c'est tout à peu près mort. L'autre côté qui est ombragé, des plantations des arbres et du gazon, c'est tout vert. Donc, il y a une problématique que quand on plante des arbres et on installe aussi de la pelouse, il faut obligatoirement les arroser, surtout les premières années, parce que c'est fragile. La végétation, c'est très fragile. Donc, il faut que ça soit encadré et arroser convenablement pour pas que, justement, que nos investissements que les citoyens payent pour la plantation, l'achat des végétaux et l'installation ben, soient mis au rebut parce qu'ils meurent, faute d'arrosage. Alors, ma question est, qu'est-ce que vous allez faire, justement, pour prévenir la mort des végétaux qu'on paye à grands frais pour que le tout se passe bien?
Maintenant, concernant les trottoirs, ça aussi, c'est une question qui me revient tout le temps. J'en ai déjà parlé. Dans les années 60, les trottoirs n'ont pas été refaits. Tous les trottoirs des années 60 sont à refaire un peu partout dans la ville, parce qu'on sait que la ville a grandement été construite dans les années 60. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des trottoirs qui sont complètement fendus en deux, avec des crevasses, des végétaux qui s'installent à l'intérieur des trottoirs. C'est très problématique pour les résidents qui y circulent. Alors, ma question, c'est quand la ville va commencer à remplacer ce qui doit être fait pour que pas qu'il y ait d'accidents des citoyens. Maintenant, concernant les cônes oranges. Sur la rue Charron, à la hauteur de Victoria, il y a deux cônes oranges qui sont là depuis 3 ans. Trois ans parce qu'on a mis des cônes oranges parce qu'il y a un trou. Puis s'il y a quelqu'un qui tombe dans le trou, ben c'est un trou profond, là, à deux endroits sur Charron. Ça fait 3 ans que les gens attendent qu'on répare les fissures dans l'asphalte, puis c'est rien qui se fait. On a appelé, on a fait des requêtes, il n'y a rien qui se fait. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'arrangement que, finalement, on répare ce qui doit être réparé depuis fort longtemps? Maintenant, concernant les panneaux de signalisation arrêt, là, on voit qu'il y a une nouvelle instauration dans la ville qu'au lieu qu'il y ait un arrêt, strictement un arrêt, là, on installe en bas un arrêt avec 4 intersections comme une croix. C'est rouge. Alors, j'aimerais savoir quelle est l'explication de mettre... Les gens, je pense qu'ils sont assez... je ne sais pas, comment dire, là, intelligent pour comprendre qu'un arrêt, faut que tu regardes à droite, à gauche, en avant, bon. Pourquoi avoir mis ces arrêts-là en dessous d'un arrêt? C'est ma question. Merci. Merci. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, concernant les variétés d'arbres, la ville de Longueuil a entrepris un programme de reforesterie suite à l'avènement dramatique de la grille du frêne. Et concernant les nouvelles constructions, dans chaque arrondissement, la réglementation peut différer puisqu'il s'agit d'une réglementation d'urbanisme et que l'urbanisme est une compétence d'arrondissement. Par contre, ce que je peux vous dire ce soir, Madame la Présidente, c'est lors de l'adoption de notre politique sur l'habitation, il y a un volet agriculture et foresterie urbaine ou une action, entre autres, afin de pallier aux problématiques de maladies chez certaines espèces et de demander aux citoyens et aux promoteurs immobiliers l'introduction de 50 % de végétation arborigène, ce qui devrait beaucoup, beaucoup aider à restaurer notre patrimoine arboricole. Concernant les végétaux qui sont installés un peu partout lorsqu'on fait des réfections de rue ou de bâtiments, ce que je peux vous dire, Madame la Présidente, c'est que l'entrepreneur qui effectue les travaux garantit ses végétaux pour une période d'une année ou deux, dépendamment des contrats. Donc, il a la responsabilité de s'assurer qu'ils sont bien entretenus et qu'ils sont arrosés afin de ne pas se retrouver à avoir les remplacer l'année suivante parce qu'il ne les a pas arrosés et qu'ils sont morts de leur belle mort. Concernant les trottoirs, Madame la Présidente, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2009, nous avons réalisé qu'un gigantesque déficit d'entretien avait eu cours concernant la qualité et la réfection de nos infrastructures. Il y a beaucoup, beaucoup de retard qui a été comblé depuis ces années-là. On investit des millions et des millions de dollars par année, de 80 à 110 millions, dépendamment des années, dans la réfection des rues et des trottoirs. Mais vous comprendrez qu'un tel déficit qui, à l'époque,
en matière d'intervention urgente se chiffrait à 380 millions, et ce sont des chiffres qui ont été évalués par nos services, qu'on ne peut pas rattraper ce déficit-là rapidement. Le travail est constant, tranquillement, pas vite, on réussit, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Vous comprendrez que ce sont des milliers de kilomètres qui sont en cause. Et concernant les cônes oranges, sincèrement, Madame la Présidente, c'est inexcusable. C'est la première fois que moi, personnellement, j'en entends parler. Vous pouvez être assuré que dès demain matin, les services vont être informés de la chose et on demandera que les travaux soient effectués très rapidement. S'il y a une explication intelligente à donner à ça, on vous acheminera l'explication, mais je peux vous assurer, Madame la Présidente, que dès demain matin, on demandera que les travaux soient exécutés. Merci. Oh, concernant les panneaux d'arrêt, je suis désolée, Madame la Présidente, c'est une signalisation qu'on voit de part et d'autre au travers de la ville, mais je ne suis pas une spécialiste de la signalisation. Je ne saurais vous répondre ce soir à cette question. Si j'ai un de mes collègues qui siège à la commission de la circulation qui a la réponse, je l'invite à répondre à Mme Gélina. Merci. Monsieur Léger. Merci de l'invitation. Alors, Madame la Présidente, pour bénéfice, alors il y a les panneaux d'arrêt. Et en dessous, pour mettre aux normes les intersections, donc quand on change une signalisation ou on bonifie dans le secteur, il y a un panneau indicateur pour dire où se situent les arrêts sur l'intersection. Parce que des fois, c'est aux quatre coins ou des fois, c'est à trois, les intersections en T. Donc, c'est pour ça que c'est pour indiquer aux gens où sont exactement les stops. Et c'est une mise aux normes du ministère des Transports du Québec. Voilà. Merci. J'inviterai maintenant M. Pardo-Cucchio concernant le chemin de Chambly, la démocratie et une nouvelle construction près du marché. Bonsoir, Madame la Présidente, Conseil. La première question, c'est qu'est-ce qu'ils construisent sur le terrain de football à côté du marché? Parfait. Posez-nous et toutes vos questions, puis on va répondre ensuite. Ça, c'est numéro un. Oui. Le projet est de combien? Il n'y avait pas d'autres terrains à Longueuil pour le bâtir, cette bâtisse-là? Merci. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux. Chemin Chambly. Action Longueuil a donné, ou le conseil a donné le contrat à Bricon, et ça fait quatre à cinq mois pour un bout de. Je ne l'ai pas mesuré, mais à l'œil, là, c'est environ 10 000 pieds linéaires. Ils ont fait un côté et hier, ils ont commencé l'autre côté devant les blocs appartements. Je passais par là et quand j'ai vu qu'ils brisaient la dalle de béton, quoi, le béton, c'est pas bon à Longueuil. C'est mieux qu'il va passer le rouleau puis il mette l'asphalte. Dans deux ans, il va avoir des nids de poules. Chemin Chambly, c'est une route principale qui a des autobus, des fardiers qui passent là. Pas seulement les autos, là. Et le nombre d'autos qui passent là, pourquoi vous ne l'avez pas laissé la dalle de béton? Pour que ça coûte plus cher, vous l'enlevez et après mettre du gravier puis compacter. Quand est-ce que ça va
finir cette contrat-là? Un autre 3 mois, 4 mois, ou pour Noël? Numéro 3. Le respect et la démocratie à Longueuil, il n'y en a pas beaucoup. De les futurs candidats qui se présentent avec une équipe. Moi, si à vous ma avez des questions, oui, vous voyez venir, là. J'arrive. Vous savez que c'est pas un lieu, pour, c'est pas une tribune. Non, j'arrive. Oui. Je suis arrivé à 5h30 à soir. J'arrive, là. Vous m'avez coupé la parole, là. Les futurs candidats qui se présentent à la porte, ils commencent à parler bien, puis après, tout d'un coup, ils traitent le citoyen de chaleux à Longueuil. Je suis ici depuis 57. Il n'y en a pas un candidat qui m'a dit ça. Je me suis présenté 3 fois à Longueuil et cet candidat-là... Monsieur Kyokyo, je ne vous permettrai pas d'identifier. Cet candidat-là m'a traité de chaleux. Quand les citoyens de Longueuil viennent ici, on ne vient pas chialer. C'est nous droits et on essaie de suggérer d'améliorer la ville. Absolument. Et la dernière que je n'ai pas écrit, est-ce que vous avez été à Place Longueuil la fin de semaine passée? En tous les cas, peut-être qu'il y en a qui ont été. Mais la salle, je crois, selon mon expérience, la station de pompage des les égouts, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On faisait de même, puis on sentait un bon parfum. Est-ce que ça va arriver pareil comme la station de pompage de l'eau sur la rue Saint-Charles, qu'on a bu un peu l'eau puis avec le diesel? Merci et bonsoir. Merci. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le terrain où on a entamé des constructions, je crois, la semaine dernière, c'est un terrain qui a été cédé à la Commission scolaire Marie-Victorin afin d'y ériger la nouvelle école d'hôtellerie de la Commission scolaire. Et écoutez, de mémoire, je ne me souviens pas à combien le projet est évalué, mais c'est un super beau projet. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous avez été impliquée comme moi au niveau des commissions scolaires, Madame la Présidente, que l'école d'hôtellerie de la commission scolaire est reconnue mondialement. Les élèves qui la fréquentent régulièrement remportent des médailles d'or dans les concours. Et il y avait sincèrement besoin d'agrandissement afin d'offrir une offre, d'avoir une offre de cours qui rencontre les demandes des élèves qui désirent s'y inscrire. Madame la Présidente, concernant le chemin Chambly, effectivement, il y a une dalle de béton. Je rappellerai aux citoyens que lors de la réfection de la phase 1 du chemin Chambly, il y a quelques années, on avait dû enlever la dalle de béton parce qu'il y avait des réfections importantes à faire aux infrastructures. Et il y avait eu des infiltrations d'eau, la dalle était craquée à certains endroits. Et cette fois-ci aussi, on a des interventions à faire au niveau des infrastructures, donc on doit enlever la dalle de béton.
Voilà. Concernant la place Longueuil, je n'ai pas idée. Alors, on verra si c'est possible de démystifier ce grand mystère. Et concernant le respect et la démocratie, Madame la Présidente, je suis convaincue que vous joindrez votre voix à la mienne et ainsi que tous les conseillers municipaux. Nous travaillons afin de faire valoir les voix de nos citoyens et il est de notre devoir de traiter nos citoyens avec respect et démocratie de la même façon qu'on s'adresse à nos collègues au Conseil de ville. Merci. Merci. Monsieur Kyokyo. Monsieur Kyokyo, je ne pourrai malheureusement pas lui demander. Je comprends. Je vais... Vous nous avez tout clairement... Monsieur, je vais vous demander de reprendre votre place. Vous pourrez toujours adresser vos demandes aux personnes concernées. J'inviterai maintenant Mme Monique Simard-Paquin. Bonsoir, Madame la Présidente. Moi, je suis résidente du boulevard Vautelin. Fait que on est assez bien impliqués au niveau de la réflexion du boulevard chemin Chambly, de la rue du chemin Chambly. Moi, j'ai pris une photo cet après-midi parce qu'au coin de Cuvillier et chemin Chambly, Cuvillier continue du côté ouest avec des condos. Il y a une ligne électrique qui passe de ce côté-là. Et ça fait 3 ans qu'on sait qu'il va y avoir des constructions. C'est l'ancien marché qui était là. Et il y a un poteau qui est carrément dans le milieu de la circulation. Et il est là depuis 3 ans. La semaine passée, on a asphalté le chemin Chambly. Et c'est drôle. Moi, j'ai été stupéfaite de constater qu'on avait très bien entouré, bien, comme il faut, très droit, le tour du poteau électrique. Mais sachez qu'il y a des fardiers, il y a des tracteurs qui circulent. Et comme on est très limité pour circuler et tourner sur chemin Chambly, c'est assez élevé et on doit monter, les camions doivent monter sur le trottoir pour être capables d'y arriver. Hydro-Québec doit être impliqué dans ce dossier-là, en théorie, je ne sais pas. Comment on fait pour essayer de voir si cette rue-là va avoir le poteau dans le milieu de la rue pour le reste de sa vie, sachant que ça fait 3 ans que le projet, minimum 3 ans que le projet est en marche. Et puis on avait demandé à un moment donné, j'avais parlé avec mon conseiller, M. Léger, à quelques reprises de savoir si on enfouissait les fils électriques. Maintenant qu'on fait les nouvelles rues, les fils électriques sont tous enfouis dans le sol. Donc, c'est un projet qui doit être en fonction aussi d'impliquer Hydro-Québec dans ce projet-là. Chemin Chambly, c'est un des plus vieux chemins au Québec. Mais il est tellement bien organisé qu'il est vieux, c'est vrai. Mais on fait des petits bouts qu'on arrange comme il faut, des petits bouts qu'on arrange pas comme il faut, puis des petits bouts qu'on recommence. Fait qu'on a des fils électriques qui sont enfouis à certains endroits, des fils qui sont pas enfouis. Oups, on revient, les fils sont enfouis pour mettre des beaux lampadaires, des beaux luminaires. Fait que comme même si on est à la limite de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, je pense que nous, en tant que citoyens, on mérite aussi que le chemin Chambly soit agréable à circuler, soit agréable pour les citoyens. Fait que c'est dommage qu'on n'a pas pensé à cette façon-là, parce que là, on va être obligé de défaire de l'asphalte, probablement, si on veut l'enlever, ce poteau-là, parce qu'il faut défaire l'asphalte encore une fois. Donc, peut-on être logique dans les travaux que l'on fait? C'est Bricon qui fait ces travaux-là aussi. Fait que j'appuie le petit monsieur. Et deuxième question, je vais essayer d'être rapide quand même. Les citoyens du boulevard Vautelin, lorsqu'ils ont, la semaine passée, ils ont changé, lundi matin, on a changé de côté. Mais lorsqu'on était du côté, qu'on circulait du côté est, en sortant de chemin Chambly, on pouvait aller vers Vautelin, chemin Chambly, vers la droite. On avait 2 espaces pour circuler. Là, ils nous ont mis des cônes dans le milieu du chemin, donc la ligne, on a une ligne pour circuler. On a fermé aussi la piste cyclable à une partie parce qu'à cause des travaux.
Mais nous, en tant que citoyens, si moi, là, moi, je demeure au coin de Châteaufort, Vautelin. Mais la circulation va jusque chez moi. Fait que si je veux retourner pour aller prendre Roland-Terrien, je dois attendre la ligne. Sauf qu'avant, on pouvait passer par Cuvillier, puis revenir, puis prendre le Robertval et compagnie. Mais depuis lundi matin, c'est un calvaire. Pas à peu près, c'est très, très, très... nous, les citoyens, là, de la rue, c'est assez impressionnant, là, comme circulation. Faut calculer le temps qu'on espère entre la circulation, le trafic de tous les jours. Donc, je ne sais pas, est-ce que les poteaux, on peut les remettre comme ils étaient avant? Parce qu'on tourne de toute façon pour aller sur chemin Chambly vers la droite. Est-ce qu'on peut essayer de voir qu'il y a au moins deux voies de circulation? Une pour les citoyens qui tournent vers la droite, puis d'autres qui s'en vont vers Saint-Hubert. Fait que sinon, on va... C'est ça, c'est en gros. Et un dernier point de vue, j'ai vu aussi, ça fait quelques années déjà, là, puis l'historique, vous avez mis des beaux poteaux avec un historique de chemin Chambly. Je ne sais pas si... c'est très bien, mais je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Sont tellement hauts, sont tellement écrits petits, et je trouve dommage parce que c'est l'historique du chemin Chambly qui apparaît. En tout cas, j'espère que ça sera un projet futur à essayer de réorganiser. Puis là, fait que c'est ça en gros. Voilà. Fait que merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre votre photo à la greffière. Je vais vous laisser la... On est patient, c'est juste qu'on aimerait savoir, là, surtout cette semaine, ça devient complexe pour circuler. C'est ça. On Monsieur n'ose plus Léger. Circuler. Moi, je mets mon auto sur une autre rue pour être capable d'aller prendre Roland-Terrien ou passer par le marché public. Voilà. Merci. Monsieur Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, Madame Paquin, vous serez heureuse de savoir que j'ai une réponse pour vous ce soir. Je suis allée lundi matin sur le terrain parce qu'il y a une citoyenne qui m'avait déjà averti de ce fameux poteau qui était en plein milieu. Puis je vais vous lire la réponse, en fait, de notre direction. Voilà. Donc, la dernière correspondance avec Hydro-Québec au sujet de ce poteau. Selon l'information que nous avons reçue du responsable du dossier chez Hydro-Québec, le poteau pourrait être retiré d'ici le mois d'octobre. Quelques éléments sont à régler entre le promoteur du nouveau quartier et Hydro-Québec. Il faut considérer que le poteau, qui est présentement dans le pavage temporaire, sera clairement identifié avec des balises de chantier. Nous assurons le suivi avec Hydro-Québec et le promoteur. D'ailleurs, le nouveau poteau qui doit remplacer celui-ci est déjà en place. Donc, simplement, c'est un suivi entre le promoteur et Hydro-Québec et le contracteur qui fait la nouvelle rue. Donc, ça sera fait dans les délais. Ici, on précise que c'est avant le mois d'octobre. Merci. Merci. Alors, j'inviterai maintenant M. Ali Benarouache concernant les nuisances occasionnées par un centre commercial. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Mairesse. Bonjour, M. Robert Miles. Bonjour, chers conseillers. J'ai des documents à déposer, donc je ne sais pas si c'est le moment de les déposer ou plus tard. Vous pouvez poser vos questions d'abord, okay, puis vous les remettrez à la... En fait, mon nom est Ali Benawash. Je réside sur la rue de Verchères, donc derrière le centre d'achat Greenfield Park, donc, où on retrouve le Goodlow puis le Maxi. Donc, aujourd'hui, je viens porter à votre attention qu'il y a des nuisances qui sont occasionnées par ce centre d'achat-là. Puis je réitère également cette information parce qu'elle a été déjà transmise à M. Robert Miles ainsi qu'aux responsables de la ville. Donc, c'est occasionné principalement par les véhicules routiers qui accèdent au quai de chargement, donc aux aires de chargement et de déchargement. C'est également occasionné par la livraison de marchandises à des heures qui sont hors des heures qui sont déjà délimitées par règlement.
également par la cueillette d'ordures qui se fait à des heures inappropriées. Puis il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de contenants en plastique, mais bel et bien de contenants métalliques, donc de moyens d'une grande envergure, puis avec des heures de cueillette qui peuvent varier à n'importe quelle heure de la nuit, donc à 1h, 3h du matin, comme ça leur tente. Puis également par des véhicules routiers qui viennent se stationner à la limite des propriétés. Puis ces véhicules-là sont munis de systèmes de climatisation, donc qui laissent rouler pendant toute la nuit. Et on ne dort pas. Donc, on doit fermer les fenêtres à ce moment-là. Donc, plusieurs démarches ont été entreprises par le passé, donc, que ce soit auprès de l'arrondissement ainsi que de la ville. Puis, la ville m'a référé à la police. Cependant, tout cela, ça n'a rien réglé en tant que tel. Donc, les problèmes sont toujours là. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous en faire part, puis également demander à ce qu'on fasse quelque chose. J'ai pris connaissance des réglementations qui sont dans des villes ou à proximité ou des arrondissements à proximité. Puis notamment, il y a la ville de Saint-Lambert qui vient vraiment bien baliser le tout, où ils disent qu'il constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement, de déchargement commercial ou industriel entre 21h et 7h. Également, un autre article du règlement dit « Le fait de stationner, il constitue une nuisance et est prohibé, le fait de stationner ou de laisser stationner un véhicule dans le moteur ou dans l'appareil de climatisation est en marche et dont la masse nette est égale ou supérieure à 3000 kg. » Puis également, on retrouve dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le règlement de l'arrondissement du Sud-Ouest, un article qui dit « Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vider ou de faire vider un contenant de déchets entre 23h et 7h dans des secteurs où la famille d'habitation est autorisée. » Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il y a moyen d'amender notre règlement de la ville de Greenfield Park afin d'intégrer des articles tels que ceux-là, afin de veiller au bien-être des citoyens de ce secteur. Merci. Vous pouvez déposer vos photos auprès de l'assistante greffière. Vos documents, plutôt. Monsieur Miles. Merci, Madame la Présidente. Oui, je suis bien d'accord avec le citoyen qui est venu tantôt pour parler. C'est parce qu'il y a plusieurs des problématiques sur le rue Verchères, en arrière de Gouzeau jusqu'à Bureau-en-Gros. Il y a plusieurs des gros camions qui vont là le soir pour reposer. Ils gardent toujours le moteur à rouler, puis ça fait beaucoup de bruit pour les citoyens en arrière. Là, ils essaient de dormir durant la soirée, puis ils ne sont pas capables de dormir à cause qu'ils attendent toujours le moteur rouler. Il y a beaucoup de va-et-vient avec les camions qui vont vider des gros tanks de l'huile des restaurants. Ça cause encore beaucoup de problèmes de 3h, 4h du matin. Puis même le vidange. Il vient à des heures irrégulières, puis ça cause énormément encore des problèmes pour les citoyens. Puis c'est pas juste eux autres, mais maintenant, c'est même aussi sur la rue Barden à Greenfield Park, où ce qui est le premier Moisson jusqu'à l'Octavio. Là, il y a encore la même problématique qui arrive. Là, il y a des citoyens qui ont venu hier soir dans l'arrondissement pour faire les mêmes plaintes. J'espère que peut-être les urbanistes peuvent embarquer là-dedans parce qu'on a créé un autre règlement pour la nuisance, pour le bruit, mais selon moi, c'est la nuisance et le bruit, puis on devrait être capable de faire quelque chose avec le policier pour les citoyens. Je pense que c'est... Le monsieur est venu au conseil pour faire paraître ces problématiques. J'ai déjà fait des plaintes à la ville, puis pour moi, ils n'ont pas réglé vraiment ces problématiques. S'il te plaît, si on peut faire quelque chose, ça serait vraiment bien pour tous les citoyens sur la rue Barden et Verchères. Merci. Merci. Madame Parent. Oui, si vous me permettez, je vais juste rajouter qu'effectivement, c'est le genre de nuisance qu'on ne souhaite pas à nos citoyens et il faut mieux encadrer si on peut le faire de façon plus globale à l'ensemble de la ville. Je pense qu'il faut améliorer notre réglementation et je suis sûre que la Direction générale a très bien entendu la demande du citoyen. Merci. J'inviterai maintenant M. Jean-Paul Boutin concernant les arbustes et des nids de poules. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir à tout le monde. Moi, l'histoire des arbustes,
qui empiètent sur les trottoirs, soit des cèdres ou d'autres types d'arbustes. Dans l'ordre des arbustes, des arbustes sur les coins de rue, des rues étroites, des arbustes qui avancent sur le trottoir à l'intersection de la rue. Sur des rues étroites, il faut pratiquement avancer dans le milieu de l'intersection pour voir s'il n'y a pas une voiture qui s'en vient, puis où il y a des traverses d'écoliers. Bien, on ne peut pas regarder aux trois places en même temps. Ça, là, ça ne va pas bien. Alors, on dit, bien, je ne veux pas me faire frapper par la voiture, mais est-ce qu'il y a un vélo qui s'en vient sur le trottoir à grande vitesse sur l'autre côté? Ça, c'est une autre histoire. Alors, s'il faut tout jeter notre dévolu sur l'auto qui pourrait venir, puis que les arbustes nous cachent la vision, bien, la sécurité n'est pas très bonne là. Il y a des panneaux d'arrêt qui sont cachés par des arbres. On en a plusieurs à Longueuil. Il y en a même dans des endroits où il y a beaucoup de policiers qui passent puis ils ne les voient pas. Il y a un an, j'ai fait une plainte à un policier, je me suis arrêté, il jouait avec son séchoir à cheveux. J'ai arrêté, il dit « Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites ça? » « Ah, c'est pour la sécurité. » Mais comme sécurité, là, sur la même rue, un petit peu plus loin, là, il y a un panneau d'arrêt qui est caché par les arbres. Il m'a donné comme réponse, c'est pas de mes affaires. Chez moi, c'est-à-dire chez moi, dans mon problème, la propriété à côté de chez moi a des arbustes qui nuisent de ma vision lorsque je dois sortir de chez moi avec mon auto. Je vois rien. Faut que j'aille dans le milieu de la rue pour avoir une bonne vision. Ah, ça va bien. J'en ai déjà parlé. Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Je pense que les droits, j'en ai pas. La personne qui fait pousser ses arbustes, elle a tous les droits. C'est comme... un peu comme les gazons. Aujourd'hui, il pleuvait. Je voyais des appareils qui coupaient le gazon sur les propriétés de la ville. Au moins, s'ils prendraient les coupes et les mettent dans les trous de nid de poule, ça pourrait aider deux fois, mais non. Les trous de nid de poule ne se bougent pas, puis on dépense beaucoup d'argent pour couper le gazon. Ça, là, un petit peu de misère avec ça, là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait que, mais j'en suis, je connais l'histoire, le 3-1-1. L'avant-dernière fois où j'ai fait un appel pour quelques minutes, ça, j'ai attendu trois quarts d'heure. Aujourd'hui, j'ai été chanceux, j'avais beaucoup de choses à annoncer au 3-1-1. J'ai encore le 3-4, mais ça a pris entre 3 et 4 minutes avant qu'on me réponde. Je suis chanceux avec les 3-4, au moins ils ont viré de bord. J'ai pratiquement passé une demi-heure au téléphone avec la gentille personne. Alors, je les remercie et les féliciter de son travail. Est-ce que ça fait le tour de vos questions? Les questions, est-ce que les nids de poules, pour quelle raison que cet été, on ne bouge pas de nids de poules? Quelle est, je voudrais savoir la réponse à cette question. Comment ça se fait que cet été? L'été est un bon temps pour réparer les nids de poules.
je connais la chose. Et ça me ramène tout de suite au droit à un. Si les travaux seraient accomplis lorsque nous divulguons des problèmes, principalement, disons, l'histoire des nids de poules, bien, s'il était réparé, bien, on n'aurait pas besoin de rappeler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Alors, ça, c'est la question qu'on veut une réponse. Et ensuite de ça, moi, j'ai... ça, c'est une plainte par rapport... l'hiver dernier, la petite machine nettoyage de trottoir a endommagé mon gazon. Ce printemps, ils sont venus enlever la partie endommagée. Vu que ça avait été beaucoup endommagé, bien, ils ont creusé et enlevé beaucoup de terre. Un mois après, ils sont venus mettre le gazon, la tourbe, mais ils n'ont pas mis de terre. Fait que là, la nouvelle tourbe est en 2 et 3 pouces plus basse que le gazon original. Ça fait au moins 8 fois que je fais des plaintes là-dessus. Parfait. Les oreilles sont bouchées partout. Parfait. Vous pouvez reprendre votre place. Je vais demander aux collègues de tenter de vous répondre. Merci. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est un dossier que je connais bien. La haie du voisin n'est pas sur l'emprise publique. C'est vraiment une problématique de droit civil telle qu'il avait été discutée. Concernant les arbustes qui empiètent sur la voie publique ou qui cachent des panneaux de signalisation, on doit faire des requêtes et il est demandé aux propriétaires de s'exécuter parce qu'elles ne doivent pas entraver les voies publiques ou la signalisation. Si le travail n'est pas fait, bien, ils vont recevoir un constat d'infraction et tout ça. La loi nous impose de donner un avis aux citoyens, de relancer l'avis. Et oui, je comprends que ça peut être très exaspérant et très long pour les citoyens, mais c'est la loi qui nous impose ces barèmes-là. Alors, c'est long, quelquefois, avant d'arriver à nos fins et de faire les travaux et de le réclamer aux citoyens par la suite. Concernant votre gazon, Madame la Présidente, je comprends que plusieurs plaintes ont été faites. Alors, on assurera un suivi dès demain. Effectivement, le gazon n'aurait pas dû être installé plus bas que le niveau actuel. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Brian Pédard concernant l'accès à l'information et concernant aussi l'insatisfaction de certains citoyens. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mme la Présidente. J'ai deux questions. Première question, c'est concernant, vous savez, en mai 2016, nous avons, la Ville de Longueuil a donné un contrat pour environ 57 000 pour une évaluation par une compagnie concernant les affichages et la signalisation. Et c'était très important, cette chose, parce que depuis 2013, je viens ici comme un citoyen, un propriétaire. J'habite sur la rue Cornwall, dans le district d'Iberville, à Saint-Hubert. Plusieurs années, j'ai été un coach de soccer. Et je sais que nous avons fierté nos sports, football, hockey, soccer, tous nos sports. Une fierté quand nous avons le nom Saint-Hubert sur nos chandails, quand nous avons les noms Longueuil sur nos chandails, Greenfield Park, quand on joue Interville, quand les autres arrondissements ont ville, on est fiers. Et depuis 2013, quand on a eu les Jeux de Québec, j'ai commencé comme un citoyen et un entraîneur-coach à voir le nom Saint-Hubert enlevé de nos affichages. Park Daniel Johnson, avant les Jeux de Québec. Ça fait 4 ans que je viens ici. Je me souviens. Sur nos plaques des automobiles, je me souviens. Notre ville, qui est maintenant arrondissement en histoire, toutes nos villes, tous nos arrondissements. Depuis 2013 jusqu'à 2015, je suis venu ici plusieurs fois pour parler de l'importance, s'il vous plaît, remettre le nom de notre arrondissement. Comment les Fusions à Montréal, qui a eu les arrondissements, ils ont des affichages « Bienvenue à Verdun », petit logo Montréal. Mais ici, chez nous, ils ont commencé de nous effacer. So, en 2016, enfin,
l'exécutif de la ville a dit oui, on va donner un contrat pour 57 000 pour évaluer et étudier cet enjeu. Mais ça, ce n'était pas fait avant que j'ai fait une pétition pour un an avec les noms et avant que trois autres citoyens avec moi ont présenté cette pétition en 2015. Soit en 2016, enfin, on a la satisfaction de dire oui, on va faire une étude. Mais mesdames, messieurs, ça fait 3-4 fois depuis mai 2016 que je viens ici. La dernière fois, 3 mois. Monsieur Pedder, on travaille avec ce dossier. C'est très important. Monsieur Pedder, on ne peut pas donner l'information ou accès à cette étude parce qu'on n'est pas terminé. Bon, mesdames, messieurs, ça fait 4 ans que je viens ici. Et un de mes oiseaux préférés, là, c'est le pic-bois. Chanceux, ce n'est pas la sérin ou une parouche parce que je ne sais pas, là. Mais moi, je suis encore ici. Et on va avoir une élection en 3 mois. Moi, je demande à la mairesse, est-ce que vous pouvez faire un appel et demander à votre communication de mettre cette étude sur notre site Internet Longueuil cette semaine pour laisser nous avoir accès à l'information, pour la transparence. C'est cette frustration, ce manque d'efficacité, ce contrôle d'information, c'est très frustrant, pas juste pour moi, mais pour plusieurs contribuables. Ça, c'est mon première question. Est-ce que la mairesse peut faire l'appel? Si moi, j'étais la maire, je fais l'appel. Numéro 2. Moi, j'habite dans le district d'Iberville. Les dernières semaines, je parle beaucoup des citoyens qui habitent dans les rues. Et c'est incroyable la réponse que je reçois. Comment, dans le district d'Iberville à Saint-Hubert, il y a tellement de citoyennes contribuables qui ont des préoccupations importantes, qui sont frustrées, qui ne sont pas contents avec le service donné par leurs conseillers et par leurs élus à Longueuil. Vous ne me croyez pas? J'ai été sur la rue Paillé récemment. J'ai parlé avec environ 50 personnes. Ils ont me parlé comment, pour plus qu'un an, ils ont appelé, demandé aide pour la vibration sur la rue, la mauvaise qualité d'asphalte. Comment la vibration, la tremble de terre, ça donne des fissures dans leurs fondations. Comment ils ont demandé pour aide et ils n'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comme moi, une comité, une pétition. Enfin, ils ont eu, le mois dernier, une couche d'asphalte. Ça doit être durable pour 2 mois. Ils me disent, c'est un peu mieux, mais ils sont frustrés, quelques personnes. Vous ne me croyez pas qu'il y a des personnes qui vont voter. Notre dernière élection, on a eu 32 % des personnes à Iberville qui ont voté. Ça m'a communiqué qu'il y a un manque d'appartenance de nos citoyennes, un manque de respect. La rue Avenue des Sorbiers, j'étais là. J'ai parlé avec des citoyens. Des beaux maisons de 400 000 $. La ville a fait un beau parc là. La rue est beau. La madame m'a dit, Brian, on a appelé notre conseiller, on a appelé la ville. On demande pour les stops, on demande pour les mesures pour ralentir. Les autos jusqu'à aujourd'hui conduisent comme c'est une Formule 1. De payer jusqu'à la fin, quelqu'un va être accidenté. Frustration, manque d'efficacité, manque de présence de nos conseillers sur le terrain. Les citoyens ont besoin d'encadrement et un service direct. Mon question, c'est pourquoi il y a tant de contribuables dans notre quartier qui sont juste Iberville. Moi, je parle juste de mon quartier Iberville. Il y a d'autres citoyens dans d'autres quartiers et d'autres arrondissements et villes qui sont aussi frustrés avec plusieurs choses. Pourquoi nous avons ce climat? Merci. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais répondre aux citoyens, Madame la Présidente, concernant la signalisation. Dans un premier temps, j'aimerais être très, très claire, Madame la Présidente, ce n'est pas un manque d'efficacité. Madame la Présidente, la semaine dernière, j'étais assise avec un des présidents d'arrondissement concernant ce sujet délicat et qu'on doit élaborer d'une façon visionnaire afin de satisfaire tout le monde. Madame la Présidente, l'étude n'est pas encore terminée. Madame la Présidente, il y a encore des discussions avec les présidents et les présidentes d'arrondissement.
Et tant que ce ne sera pas terminé, ces discussions-là, et que les gens n'en seront pas venus à un consensus, Madame la Présidente, l'étude ne sera pas rendue publique. On n'est pas rendu là. Il n'y a encore rien d'inscrit au plan triennal d'immobilisation afin d'engager les sommes. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a discussion et que les présidents et présidentes d'arrondissement ont l'air satisfaits des discussions qui sont entreprises. Madame la Présidente, je vous assure que nous avons progressé, et ça pas plus tard que la semaine dernière. Merci. Madame la mairesse. Merci, Madame la Présidente. Pardon, j'avais Monsieur Miles qui avait allumé. Il n'a pas coupé la parole à Monsieur Miles. Alors, Madame la Présidente. Une seconde d'intervalle. Allez-y. Alors, à qui vous donnez la parole? Allez-y, Madame la mairesse. Monsieur Miles vous laisse la parole. Merci, Monsieur Miles. Alors, tout d'abord, pour enchérir un peu sur ce que Mme Bastien disait sur le comité, effectivement, je sais qu'elle a eu le mandat de rencontrer M. Miles, notamment, et elle a raison de dire que c'est un enjeu pour les trois arrondissements. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Pédard vient nous répéter depuis quelque temps déjà. Il y a plusieurs préoccupations au niveau, notamment, du format, de la langue, de respecter chacun des arrondissements. Et c'est un enjeu sensible, on l'a vu, parce que les gens sont préoccupés. Alors, on va faire les choses correctement. Et quand il y aura un réel rapport, parce que pour l'instant, c'est un dossier de discussion. Il n'y a rien de public pour l'instant, mais on espère arriver avec une décision rapidement avec nos trois présidents d'arrondissement. C'est sur la première chose. La deuxième chose, Madame la Présidente, bien sûr, je comprends très bien qu'il y a un contexte électoral et je vous invite d'ailleurs, Madame la Présidente, à faire preuve de rigueur comme vous le faites si bien. Mais M. Pédard, interpelle un conseiller, je comprends qu'il est peut-être déçu, mais en même temps, chaque élu fait son travail dans son quartier, il y a une campagne électorale. Il ne faudrait pas ramener les enjeux électoraux ici. Il peut y avoir des préoccupations. La rue des Sorbiers, contrairement à ce que monsieur laisse entendre, au contraire, il y a eu beaucoup d'améliorations. Encore une fois, comme n'importe quel autre dossier, on peut toujours bonifier. Mais il sera même, dans le cadre d'une campagne électorale, de voir qu'il y a des gens insatisfaits. Alors, il ira chercher ces votes-là, mais il verra aussi qu'il y en a d'autres satisfaits. Mais ça me fera plaisir d'aller faire du porte-à-porte pour voir effectivement et sentir le pouls du terrain. Mais j'ai comme l'impression, en tout cas, si je me souviens de 2013, l'électorat était plutôt satisfait. Mais ceci dit, je souhaite une très bonne chance à M. Pédard. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'inviterai maintenant M. Michel Coursol. En fait, le temps est écoulé, vous permettrez certainement les membres du Conseil que deux autres... Oh, pardon, M. Miles, je vous oubliais, parce que vous aviez éteint puis rallumé votre... J'ai été bien poli, allez-y. Laisser la mairesse parler. J'espère absolument, vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec un petit peu de ce que M. Pedder a parlé tantôt, c'est parce que l'étude était faite, ça fait un bon bout de temps. T'as raison, j'ai parlé avec Mme Bastien aujourd'hui à propos de la signalisation pour l'affichage pour les trois arrondissements. Le rapport qui a été fait, c'est une étude pour un document de travail pour la Ville, selon moi. Mais ça fait un bon bout de temps qu'on a demandé de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette étude-là. Selon moi, ça devrait être public. Au moins de se présenter les gens qui ont venu ici pour déposer la pétition, au moins de laisser savoir aux autres qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là, au moins, ils ne seraient pas inquiétés, parce que là, ça fait un peu de temps qu'ils n'ont pas de réponse. Moi aussi, j'ai demandé de ça l'étude déjà deux fois, puis je n'ai rien vu de l'étude encore. Ça, je vais être assez honnête, je n'ai rien vu de l'étude. J'ai vu les documents, des posters, des affaires qui vont être faites, mais je n'ai pas vu l'étude. Même avec quand je travaillais avec les gens de la ville à l'époque, avant que j'ai rencontré Mme Bastien. Ça serait vraiment intéressant qu'on puisse le voir, cette étude-là. Je pense que si on est vraiment transparent et on veut faire quelque chose pour la ville de Longueuil elle est, et ses trois arrondissements, ça devrait être public. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre règlement prévoit une période d'une heure, mais il nous reste deux citoyens qui souhaitent prendre la parole. Est-ce que les membres nous permettent de prolonger? Alors, M. Michel Coursol, concernant la cour municipale. Allez-y. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, les élus et tous les web spectateurs. Et à vous, Madame la Présidente. On m'appelle Michel Coursol et je suis ici ce soir pour faire témoigner la transparence à la Cour municipale.
Si vous désirez acheter un immeuble dans le Grand Longueuil, si vous possédez un immeuble résidentiel ou commercial, si vous désirez vendre un immeuble, si vous êtes locataire, il serait utile de savoir l'historique des plaintes et des poursuites légales ayant eu lieu ou existantes reliées à l'immeuble ou à un règlement particulier. Faire son due diligence, comme on le dit. Chaque poursuite intentée après une infraction à un règlement municipal a lieu à la Cour municipale de Longueuil et l'information est enregistrée dans une base de données qu'on appelle le plumitif. Qui a fait quoi, quand, les amendes, les avocats au dossier et finalement le jugement pour cette adresse. Les infractions à un règlement municipal sont de nature pénale, ce qui signifie qu'une peine monétaire est associée. C'est Longueuil qui doit prouver l'infraction pénale. La loi sur la preuve au Canada impose à Longueuil de transmettre à l'accusé toutes les informations qu'elle détient. Le but étant d'obtenir un procès juste et équitable lorsque toutes les informations sont sur la table, soit la transparence. La Charte canadienne des droits et libertés de la personne est la limite à ne pas dépasser. Et cette limite est une règle de droit, c'est-à-dire une loi. Une décision administrative pour restreindre l'accès au plumitif n'est pas une loi. L'accès au plumitif devient une obligation. Au Québec, 85 des 88 municipalités permettent l'accès à leur plumitif municipal selon SOQIJ, qui est la Société québécoise d'information juridique, un organisme qui relève du ministère de la Justice. Longueuil est parmi les trois villes qui ne le permet pas. Conséquemment, Longueuil serait en infraction à la charte et à la transparence serait absente en cour municipale. Quand les citoyens pourront-ils connaître l'historique stocké dans le plumitif pour l'immeuble dont ils sont propriétaires et qu'ils paient année après année des taxes, ceux qui sont actuellement accusés et les locataires? La dénonciation actuelle est connue de Longueuil depuis près de 2 ans dans une procédure en cour supérieure et les avis légaux ont été transmis au procureur du gouvernement du Québec et du Canada selon l'article 95 du Code civil. Si les avocats de Longueuil étaient informés, comment se fait-il qu'on n'a pas fait le nécessaire pour respecter la loi depuis près de 2 ans? Les citoyens ont l'obligation de respecter les règlements et l'administration actuelle a l'obligation de respecter les lois. Ma question est donc, quand allez-vous permettre l'accès au plumitif, respecter les lois et la Charte des droits et libertés de la personne? C'est votre devoir fondamental en qualité d'élu et responsable de l'administration actuelle. Afin d'éviter toute confusion, je dois mentionner que les cours municipales échappent à la juridiction de la loi sur l'accès à l'information. Actuellement, l'accès au plumitif n'est permis que pour accéder à son dossier, alors que les avocats de Longueuil ont accès à tout le plumitif. Mon opinion, en terminant, les citoyens ont le droit de savoir et l'hôtel de ville est la maison des citoyens et non un hôtel dont la transparence est derrière les barreaux. Toute personne qui désirait communiquer peut le faire en écrivant à l'adresse suivante, bénévole.marquis@gmx.de. Nous sommes particulièrement intéressés à connaître les anomalies qui se passent à Longueuil et à Saint-Hubert, comme mentionné ce soir. Remerciements à tous les élus ici présents et à tous les web spectateurs qui sont à l'antenne. Remerciements également à vous, Madame la Présidente. Et je désire déposer le document ici, qui est l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Je vais le remettre à l'assistante greffière. Et M. Coursol, je vous invite à adresser vos questions aux membres du Conseil, mais la tribune du Conseil n'est pas une tribune publicitaire pour solliciter les citoyens de la manière dont vous l'avez fait alors. Mais vous êtes le bienvenu d'adresser vos questions aux membres. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Beaulieu.
Vous amenez ici une situation qui relève essentiellement et totalement du conseil d'agglomération. Toutefois, on a le directeur général qui pourrait peut-être, parce que c'est un dossier très, très, très administratif, et vous avez raison, les élus doivent tous respecter les lois et les règlements. Et s'il y a de l'information additionnelle à ajouter pour le moment, je demanderai au directeur général. Oui, bien, il y a plusieurs questions qui ont été abordées. Le contentieux pourrait certainement aider M. Coursol, mais si vous voulez, je pourrais vous rencontrer à la fin de la séance là, pour regarder ce qui peut être fait et à quoi je peux répondre rapidement. Merci. Alors, j'ai une dernière intervention de Mme Carole Gervais concernant le protecteur du citoyen. Oh, pardon, Mme Parent, vous souhaitiez intervenir aussi? Bien, je voulais juste, si vous permettez, Mme la Présidente, donner un supplément d'information parce qu'on a passé une résolution au dernier conseil d'agglomération pour justement l'entente avec la SOCIJE, je ne sais pas trop comment le dire, là, c'est SOCIJE, et la Ville de Longueuil. Donc, oui, cette transparence-là existe dorénavant à la Ville de Longueuil. Merci. Alors, j'invite maintenant Mme Carole Gervais concernant le protecteur du citoyen. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, les élus et tous les téléspectateurs, et vous, madame la présidente. Good evening, ladies and gentlemen, the officials and to all the viewers. My subject tonight is the Ombudsman and the Municipal Transparency. Mon nom est Carole Gervais, is my name, et le sujet est le protecteur du citoyen, la transparence municipale. Ne pas faire de cachette aux citoyens. Le protecteur du citoyen est une entité indépendante dans une structure organisationnelle mise en place par l'administration municipale pour assurer la protection, la justice auprès des citoyens advenant une injustice, une sorte de dernier recours. La grande question est, à quoi sert le protecteur s'il ne protège pas? Voici un exemple suivi de mes questions. Une séance publique d'information a eu lieu le 22 novembre 2016 par la Ville de Longueuil. Le sujet, analyse de l'efficacité et du coût des activités de l'agglomération. La première partie démontrait les performances de l'administration actuelle en termes de gestion. Une vidéo a été remise, ainsi qu'un document écrit par la firme RCGT, signifiant Raymond Chabot Grant Thornton, et décrivant les conclusions, la méthodologie d'analyse et la cueillette des informations. Un exemple, Longueuil est la meilleure des 11 villes consultées offrant des services aux citoyens au plus bas coût, selon la vidéo de la première partie. Selon le rapport écrit par RCGT, on note que seulement 3 villes sur 11 ont complété le formulaire au complet. RCGT a précisé de bien limiter sa responsabilité dans le rapport en mentionnant faible taux de participation des villes et les limites quant à l'interprétation des données. La seconde partie était réservée à une période de questions de la part des citoyens. Un citoyen a demandé à obtenir le document et la vidéo de cette séance publique d'information du 22 novembre 2016. Le responsable de l'accès à l'information, un avocat, refuse de permettre l'accès aux vidéos de nature publique. S'il est public, il doit être accessible de par de sa nature. Le refus devient une injuste envers le citoyen. On sait tous que les corporations publiques dont fait partie de Longueuil ont une obligation de transparence, pas de cachette. Selon une source très fiable, il s'agit d'une décision administrative de haut niveau de refuser la diffusion de cette partie de la séance publique d'information et je cite, « On l'a capté, mais c'est juste pour l'usage interne. » Le citoyen lésé fait appel au protecteur du citoyen. À deux reprises, il a transmis ses plaintes avec preuve de réception. C'est le silence radio de la part du protecteur. On en est au cinquième mois de silence radio, alors que, selon le rapport annuel, les plaintes sont traitées en 8 jours. Dans un autre dossier, il a été constaté que toutes les plaintes ne sont pas numérotées. On répond à une plainte sans y attribuer un numéro. Le rapport annuel fait état seulement des plaintes numérotées. Dans son rapport de 2016, on constate que le protecteur a été amputé de ses bras et ses jambes au sens figuré, puisqu'il indique dans son rapport que les seules plaintes recevables sont celles dont il n'existe aucun autre recours judiciaire possible prescrit par la loi. Si on s'adresse au protecteur, c'est pour obtenir justice sans devoir faire un procès fleuve qui prendra des années et que l'administration actuelle pourrait contester jusqu'à la limite du droit aux frais des contribuables. Voici ma question. Allez-vous rendre publique cette partie de la séance publique au nom de la transparence municipale? Quel recours a le citoyen si le protecteur du citoyen ne protège pas?
La décision de ne pas rendre publique la vidéo a-t-elle été ordonnée par les élus qui étaient au poste le 22 novembre 2016? Est-ce que le protecteur est sous les ordres des élus et de l'administration municipale? Si votre réponse est non, alors pourquoi la cachette de vidéo? Tout récemment, il a été porté à mon attention que la page web anglais du protecteur du citoyen est en français. On a fait une traduction simplifiée. Un seul mot a été traduit sur toute la page. Protecteur du citoyen par Ombudsman. Je perçois ça comme une insulte à la communauté anglophone de Longueuil, Saint-Hubert, Lemoine et Greenfield Park. Je désire déposer deux documents pour montrer qu'une page web, un seul mot a été traduit de la page. It came to my attention that the web page of the Ombudsman, the web page has been translated in English. Well, not exactly. Only one word of the page has been translated. Just one word. Seems like an insult to our English communities named previously. My question, will you provide an adequate translation to our English community? Thank you, ladies and gentlemen, the officials and all the TV viewers who are receiving this broadcast. Merci à tous et vous, Madame la Présidente. Merci. Vous pouvez remettre vos documents à l'assistante greffière. Merci. Merci. Monsieur Beaulieu. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est vraiment pas clair pour nous de quelle vidéo vous voulez parler. À un moment donné, vous parlez de projeter, puis à un moment donné, vous parlez de capter. Alors, c'est vraiment pas clair, mais pour vous rassurer, il n'y a aucune ingérence au protecteur du citoyen. Il n'y a pas d'ordre qui est donné au protecteur du citoyen. Il a ce groupe-là, sont trois personnes, une liberté totale d'action et de commentaires sur le travail ou les services reçus à la ville. Donc, il n'y a aucune ingérence. Et je vous invite à m'écrire pour spécifier quel type de vidéo vous voulez avoir et aussi qu'est-ce que vous voulez en faire de cette vidéo-là. Alors, ça nous aiderait peut-être à voir, mais il n'y a personne qui saisit bien la nature de la demande. Alors, vous m'écrirez et on vous répondra. Merci. Alors, ceci met fin à la période de questions du public. Nous allons maintenant procéder avec les différents points à l'ordre du jour. Au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance de juillet. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 4 juillet avec modification. C'est adopté. 1.5, c'est un dépôt, cette fois-ci, du procès-verbal de la séance d'agglomération. Procéder au dépôt du procès-verbal de la séance du Conseil d'agglomération du 6 juillet. C'est déposé. 2.1, dépôt de procès-verbaux. Procéder au dépôt des procès-verbaux de la réunion de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 13 mars et de la réunion de la Commission des finances et des ressources humaines du 19 mai. C'est déposé. 2.2, ce sont d'autres dépôts de procès-verbaux. Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des infrastructures et de la circulation du 10 mai. C'est déposé. 2.3, c'est un autre dépôt. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Conseil local du patrimoine du 17 mai. 2.4, un autre dépôt. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Conseil local du patrimoine du 14 juin. C'est déposé. 2.5, désignation d'un membre du Conseil local du patrimoine. Proposer de désigner M. Robert Leroux à titre de membre citoyen du Conseil local du patrimoine en remplacement de Mme Louise Levac. C'est adopté. 2.6, présentation de la candidature de la Ville. Proposer d'appuyer la présentation de la candidature de la Ville au programme d'accréditation municipalité Amis des enfants auprès du Carrefour Action municipale et famille. C'est adopté. 2.7, dépôt d'un avis. Dépôt de l'avis du comité exécutif relatif à l'avis de proposition déposée à la séance du Conseil du 4 juillet concernant la traverse piétonne située à l'intersection des rues Jean-Béliveau et Saint-Laurent-Ouest. C'est déposé. Le point 2.8 est retiré. 4.1, autorisation de la trésorière. Proposer d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers les affectations au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la norme comptable sur les passifs au titre de sites contaminés et des avantages sociaux futurs. C'est adopté. 4.2, confirmation des coûts de travaux d'entretien.
proposé de confirmer les coûts des travaux d'entretien mentionnés sur la liste jointe, ainsi que leur admissibilité au programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. C'est adopté. 4.3, présentation d'un projet d'économie d'énergie. Proposer d'autoriser la présentation du projet d'économie d'énergie et de réfection de composantes vétustes de l'aréna Émile Bouchard au fonds municipal. C'est adopté. Est-ce que c'est un programme qui doit être présenté par un membre du conseil? C'est seulement les projets de règlement qui font l'objet de présentation. Point 4.4, c'est adopté. Donc 4.3, 4.4, emprunt au fonds de roulement. Proposer d'emprunter au fonds de roulement un montant n'excédant pas 258 014 afin de prévoir les crédits requis pour la réalisation de la phase 2 du projet d'optimisation du système RHPI. C'est adopté. 4.5, octroi d'une aide financière. Il est proposé d'octroyer à l'appartamois une aide financière annuelle équivalent au montant perçu en taxes jusqu'à épuisement du montant de 52 889 pour l'exécution de travaux de construction d'un immeuble au 5210 chemin de Chambly. C'est adopté. 4.6, autorisation de procéder à une radiation. Il est proposé d'autoriser la radiation des soldes des comptes à recevoir apparaissant sur la liste des créances irrécouvrables du 30 juin 2017. C'est adopté. 4.7, c'est un dépôt de la d'un rapport. Procéder au dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligations du 6 juillet 2017 au montant de 16 531 877. C'est déposé. 5.1, nomination d'un trésorier adjoint. Il est proposé de nommer M. Jean-Philippe Fauché, chef de service revenus et investissements, trésorier adjoint. C'est adopté. 5.2, nomination de la directrice des ressources matérielles. Proposé de nommer Mme Isabelle Lazure à titre de directrice des ressources matérielles à compter du 26 septembre. C'est adopté. 6.1, il s'agit d'un dépôt de la liste des contrats. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclue par le comité exécutif au cours du mois de mai. C'est déposé. 6.2, dépôt d'une liste de contrats. Procéder au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclue par le comité exécutif au cours du mois de juin. C'est déposé. 6.3, mandat au centre de services partagés. Il est proposé de confirmer au centre de services partagés du Québec l'adhésion de la Ville au contrat d'achat regroupé pour l'acquisition de papier pour photocopieurs et imprimantes pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021. C'est adopté. 6.4, c'est une adjudication de contrat. Proposer d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de réparation de surface à l'aide de mortier pour une période débutant à compter de la date de l'adjudication et prenant fin le 31 décembre 2017 à Environnement Routier Énergie Inc. pour un montant qui est estimé à 109 559,68. C'est adopté. Au point 6.5, c'est une autre adjudication de contrat. Proposer d'adjuger le contrat pour la fourniture des équipements et du personnel requis pour les opérations de soufflage de la neige dans le site de disposition des neiges usées, Marie-Victorin, pour une période qui débute à compter de l'adjudication et qui prend fin le 1er mai 2020 à Environnement Routier Énergie pour un montant qui est estimé à 1 432 956,42. C'est adopté. 6.6, c'est une autre adjudication de contrat. Proposer d'adjuger le contrat pour la fourniture des équipements et du personnel requis pour les opérations de soufflage de la neige dans le site de disposition des neiges usées du Tremblay pour une période qui débute à compter de l'adjudication et prenant fin le 1er mai 2020 à 93 04 91 79 Québec Inc. pour un montant qui est estimé à 1 269 668,93. C'est adopté.
Au point 6.7, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture des équipements et du personnel requis pour les opérations de soufflage de la neige dans le site de disposition des neiges usées, Armand Frappier, pour une période débutant à compter de la date de son adjudication et prenant fin le 1er mai 2020, à 9304-9171-79 Québec Inc., pour un montant qui est estimé à 849 895,20. C'est adopté. 6.8, c'est une autre adjudication de contrat. Proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'entretien sanitaire de 12 bâtiments municipaux pour une période débutant à compter du 1er février 2018 et prenant fin le 31 janvier 2021 à service d'entretien Alphanet pour un montant qui est estimé à 872 301,53. C'est adopté. Alors, on portait à mon attention que j'ai omis d'ajouter dans mon ordre du jour l'ajout qui est arrivé tardivement aujourd'hui. Au point 4.8, il s'agissait d'un dépôt des demandes de remboursement. Alors, est-ce que vous voulez que nous procédions tout de suite au dépôt? Il est procédé au dépôt des demandes de remboursement de divers élus. Alors, c'est déposé. Nous revenons au point 6.9 de l'ordre du jour, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la location d'équipements et de main-d'œuvre spécialisée pour la plantation et l'entretien d'arbres pour une période débutant à compter de la date de son adjudication et prenant fin le 31 décembre 2020 à Paysagiste Rive-Sud pour un montant estimé à 563 904,10. C'est adopté. 6.10, c'est une adjudication de contrat. Proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'économie d'énergie et de réhabilitation de composantes vétustes à l'aréna Émile Bouchard à Vincent Leclerc Architecte Inc. pour un montant qui est estimé à 217 735,89. C'est adopté. 6.11, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'économie d'énergie et de réhabilitation de composantes vétustes à l'aréna Émile Bouchard aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage à Stantec, expert conseil, pour un montant estimé à 257 857,31. C'est adopté. 6.12, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et l'installation de structures récréatives dans les aires de jeux pour enfants dans les parcs Empire et Jerry Boulet à Tessier Récréoparc pour un montant estimé à 161 120,75. C'est adopté. 6.13, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement d'aires de jeux dans le parc Empire à l'entreprise 91-14-56-98 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Aménagement Sud-Ouest, pour un montant qui est estimé à 427 713,24. C'est adopté. 6.14, c'est un autre contrat pour des travaux dans un parc. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement de jeux d'eau dans le parc Saint-Charles à Les Mains Vertes du Paysage Inc. pour un montant estimé à 531 842,81. C'est adopté. 6.15, adjudication d'un contrat pour un autre parc. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement dans le parc Georges d'Or à Paysagiste Promovert pour un montant estimé à 263 279,72. C'est adopté. 6.16, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement d'une piste cyclable dans le boulevard Fernand Lafontaine à location d'Angelo pour un montant qui est estimé à 542 849,03. C'est adopté. 6.17, c'est un autre contrat.
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de nivellement et de drainage de sentiers dans les parcs Racine et Gentilly-Yes à Beau-Québec Limité pour un montant qui est estimé à 281 148 et 62. C'est adopté. 6.18, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement d'une aire de jeux pour enfants dans le parc Jerry Boulet à Paysagiste Rive-Sud Limité pour un montant estimé à 190 003 et 82. C'est adopté. 6.19, c'est une autre adjudication de contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres à Paysagiste Rive-Sud pour un montant qui est estimé à 252 527 et 64, et d'affecter la somme de 230 591 et 40 en provenance du poste budgétaire immobilisation payé comptant au paiement de ce contrat. C'est adopté. 6.20, autorisation d'une modification à un contrat. Il est proposé d'autoriser la modification au contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux de construction d'une promenade intermunicipale entre les villes de Boucherville et de Longueuil, le long du fleuve Saint-Laurent, qui a été octroyée à CIMA Plus par la ville de Boucherville, conformément à l'entente intermunicipale en vigueur, pour une dépense estimée à 106 351,88. C'est adopté. 6.21, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique et de 4 coupes bordures à Robert Boileau Inc. pour un montant estimé à 167 288,63. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Parent. Je vais l'appuyer, Madame. Et Madame Bastien. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Mme Parent? Monsieur Lanteau? Oui, Mme la Présidente. Écoutez, je rassurez-vous, je ne veux pas demander le vote, là. Je veux tout simplement partager une petite réflexion pour les bénéfices de tous. Alors, nous faisons ici l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique pour la direction de la culture, loisirs et vie communautaire, car la Zamboni a atteint la fin de sa vie utile, étant âgé de 36 ans, ainsi que 4 coupes bordures, tous âgés de 23 ans. À ma grande surprise, puis c'est là qu'est mon questionnement un peu, la dépense au montant total de 160 395 sera payée comptant. Je dis bien, sera payée comptant. C'est-à-dire que nous payons comptant des équipements qui devraient atteindre plus de 20 ans de vie utile. D'un autre côté, je rappelle que le règlement CO 27-961 de la séance ordinaire d'avril dernier ordonnait l'acquisition de 52 équipements motorisés ou roulants et décrétait un emprunt de 6 082 000. Donc 88 %, je précise ces chiffres-là parce que c'est important, financés sur 15 ans. Imaginez, plus de 60 % de ces véhicules remplacés avaient moins de 15 ans de vie. Et nous avons fait un emprunt de 15 ans. Madame la Présidente, j'aimerais qu'on m'explique la logique de paiement ici. On paie comptant des équipements roulants qui peuvent atteindre 36 ans de vie utile. On emprunte sur 15 ans des équipements roulants qui ont une vie utile moyenne de 10 ans. Pour le bénéfice du citoyen et mon bénéfice, cela veut dire que nous suivons aucune logique, mais aucune, que nous planifions en silo et que nous pelletons franchement en avant des dettes futures. C'est comme ça qu'on assainit les finances publiques, Mme Parent? Franchement. Alors, Mme Parent? Oui, Mme la Présidente, ça va me faire plaisir d'expliquer notre vision de la chose. Quand on achète une maison, on contracte un emprunt parce que c'est sur 25 ans, 30 ans, généralement. On l'étale sur les années parce que c'est un gros montant d'argent, hein? Des fois 500 000, des fois 300 000. Mais quand on achète notre courbe bordure, techniquement, on ne le met pas dans l'hypothèque parce que ça fait augmenter nos coûts de taxation, d'intérêt. Alors, on essaye de le payer comptant, notre courbe bordure, parce que ça coûte moins cher. Et c'est comme... On essaie d'éviter, avec notre politique,
les taux d'intérêt aux citoyens sur des petites immobilisations. C'est ça le principe, M. Langteau. Merci, Mme la Présidente. Alors, c'est adopté. 6.22, modification d'un contrat. Pardon? Il est proposé de modifier le contrat pour l'exécution de travaux de réfection de rues, trottoirs et bordures adjugés aux entreprises Nord Construction, tels que mentionnés dans le projet de résolution, et d'affecter une somme de 310 000 en provenance du Fonds d'infrastructure afin de prévoir les crédits requis à cette fin. C'est adopté. 6.23, modification d'un contrat. Il est proposé de modifier un autre contrat pour l'exécution de travaux de réfection de rues, trottoirs et bordures adjugés aux entreprises Nord Construction également, soit pour les motifs invoqués dans le projet de résolution. C'est adopté. 6.24, modification d'un contrat. Il est proposé de modifier la programmation des travaux prévus au contrat pour l'exécution de travaux de resurfaçage des rues en couche mince aux entreprises Nord Construction, telles que plus amplement détaillées au projet de résolution. C'est adopté. Point 7.1, réquisition de l'inscription d'un avis de contamination. Il est proposé de requérir l'inscription d'un avis de contamination du lot 6 086 748 du cadastre du Québec. C'est adopté. Au point 7.2, il s'agit de l'approbation d'un bail. Il a été retiré. Oh, pardon, on l'a retiré. Puis je l'avais écrit. En... 7.3, résiliation d'un bail. Il est proposé de résilier en date du 31 août le bail intervenu entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport portant sur la location d'un emplacement dans le terminus d'autobus situé à la place Charlemagne. C'est adopté. 7.4, approbation d'une convention. Il est proposé d'approuver la convention supplémentaire à intervenir entre la Ville et la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, par laquelle celle-ci loue à la Ville une partie du lot 356 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, maintenant le lot 6 047 796. C'est adopté. Au point 8.1, il s'agit d'un avis de motion. Madame la mairesse. Merci, Madame la Présidente. Alors, je donne un avis de motion que le règlement relatif à la distribution de certains sacs d'emplettes sera présenté. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.2, il s'agit de la présentation du projet de règlement. Alors, j'inviterai un membre de l'exécutif à nous faire la présentation du projet. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2017-976 établissant un crédit de taxes et d'autres mesures d'aide aux entreprises dans le cadre d'un programme particulier de développement dans la zone aéroportuaire. En fait, Oui, on aimerait ça que vous nous le présentiez un peu plus. Il est procédé de la présentation du projet de règlement CO 2017-974 relatif à la distribution de certains sacs d'emplettes. OK. Si des élus ont des questions, en fait, on m'avait informé que lors des présentations, on lirait la petite note qui était insérée dans vos documents pour donner un peu plus d'informations à l'ensemble des élus aux citoyens. C'est la nouvelle... Je crois que l'ensemble des élus ont les documents depuis vendredi dernier. Alors, si vous voulez, je vous les lis, vous pouvez vous les lire. Là, mais... C'est plus pour le bénéfice des citoyens. Ce sont des nouvelles dispositions de la loi qui requiert qu'on présente... Je peux le faire, mais je pense que vous faites erreur avec la loi. La loi visait les élus et non pas les citoyens, parce qu'il y a quand même le règlement qui va arriver après, mais je peux le lire quand même. Le règlement CO 2017-974... Monsieur Beaulieu, je vous remercie de lire. J'aimerais ça quand même corriger le tir. Je peux vous assurer que je ne fais pas erreur. J'ai vérifié auprès du greffe avant l'Assemblée. Alors, merci de partager l'information. Le règlement CO 2017-974 a pour objet d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type de sac et de réduire ainsi l'impact environnemental. Plus précisément, il sera interdit dans un commerce de détail d'offrir, à titre onéreux ou gratuit, les sacs d'emplettes suivants. Un sac biodégradable, un sac compostable, un sac de plastique conventionnel d'une épaisseur inférieure à 50 microns, un sac de plastique oxo-dégradable et ou oxo-fragmentable. C'est ça, pour ça que je ne voulais pas le lire. C'est pour ces deux mots-là.
Merci. Alors, si des élus ont des questions, des commentaires, c'est le moment de les faire. Monsieur Poitras. Oui, merci, Madame la Présidente. On sait que c'est une résolution qui a été adoptée à la CMM en 2015. C'est juste au niveau de l'information. Est-ce qu'on a prévu un programme d'aide aussi, des conseils pour nos commerçants, puis en même temps pour nos citoyens de l'information aussi générale? Merci. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions, commentaires sur le projet? Alors, le projet est présenté. Point 8.3, adoption du règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2017-976 établissant un crédit de taxe et d'autres mesures d'aide aux entreprises dans le cadre d'un programme particulier de développement dans la zone aéroportuaire afin de favoriser l'implantation des entreprises. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais le proposer. Oh, excusez. Je vais appuyer. Monsieur Beaulieu propose, Madame Parent appuie. Monsieur Léger. Oui, Madame la Présidente. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées à ce sujet-là. Donc, on n'a pas eu les réponses. Je vais demander le report. Merci. Alors, le report est demandé. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Monsieur Beaulieu? Non, mais on garde la proposition telle quelle à l'ordre du jour. Là. Il n'y a pas eu de demande au début de l'ordre du jour de le reporter. Parfait. Alors, est-ce que vous êtes appuyé dans votre demande de report, Monsieur? J'appuie, Madame la Présidente. Monsieur Richer appuie. Alors, la demande de reporter le point à l'ordre du jour est appuyée alors. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Il ne semblait pas y en avoir. Alors, vous pouvez procéder au vote sur la proposition de report. Moi, je vais demander le vote sur la proposition déposée ce soir. On a eu tout le loisir de répondre aux questions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges sur le sujet, Madame la Présidente. Alors, je vais demander le vote sur le point 8.4. Mais le vote a déjà été demandé sur la proposition de report, Madame Bastien? Est-ce que la demande de vote porte sur la proposition de report qui doit être traitée en premier ou non? Alors, on passe au vote sur la proposition de reporter. Exact. Alors, sur la proposition de reporter le point, j'appelle le vote Mme Caroline Saint-Hilaire. Contre, Mme la Présidente. Mme Monique Bastien. Contre, Mme la Présidente. Mme Sylvie Parent. Contre, Mme la Présidente. M. Éric Beaulieu. Contre, Mme la Présidente. Mme France Dubé. Contre. Mme Colette Étier. Contre, Mme la Présidente. M. Michel Langteau. Pour, Mme la Présidente. Mme Josée Latendresse. Pour, Mme la Présidente. M. Benoît Lécuyer. Pour, Mme la Présidente. M. Xavier Léger. En faveur, Mme la Présidente. M. Robert Miles. Madame la Présidente. M. Jacques Poitras. Pour, Mme la Présidente. M. Stéphane Richer. Pour, Mme la Présidente. M. Jacques Lemire. Contre, Mme la Présidente. Alors, Madame Nathalie Boitler. Pour Madame la Greffière. Alors, la proposition est adoptée à la majorité. Le point est donc reporté. 8.4, présentation d'un projet de règlement. Voulez-vous vérifier quelque chose, Mme la Greffière? Point 4? Oui. C'est la présentation. Présentation du projet de règlement. Vous ne lisez pas le... Alors, j'inviterai un membre de l'exécutif à faire la présentation de ce projet. Alors, les notes explicatives pour le bien des citoyens. C'est un projet concernant des travaux de réfection majeure dans un aréna qui s'appelle Émile Bouch-Bouchard. Il prévoit des travaux de réfection de toiture, d'un mur extérieur et des locaux intérieurs, le remplacement du système de production du froid afin de se conformer au protocole de Montréal, la mise en place des mesures d'économie de l'énergie, différents travaux liés à la conformité au code, l'amélioration de l'accessibilité universelle ainsi que les services professionnels requis. Pour ce faire, le projet de règlement prévoit un emprunt de 6,7
6 740 000 $ remboursables sur une période de 15 ans, avec un financement à même les revenus généraux de la Ville de Longueuil. Une fois les travaux complétés, l'Arena Émile Butch-Bouchard offrira à l'ensemble de ses usagers, des locaux rénovés, conformes et accessibles, ici dans un bâtiment efficace en énergie. Alors, le projet de règlement est présenté. Si vous avez des questions, membres du conseil, vous pouvez les poser maintenant, des commentaires. Ça va? Alors, c'est présenté. 8.5, approbation d'un addenda. Il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 à l'entente pour la mise en place d'un programme de subvention visant à favoriser l'utilisation de couches lavables à intervenir entre la Ville et l'organisme MAM autour de la maternité. C'est adopté. 8.6, c'est un avis de motion. Madame Dubé. Alors oui, Madame la Présidente, je donne un avis de motion qu'un règlement identifiant Charles Lemoine, 1626-1685, à titre de personnage historique de la Ville de Longueuil, sera présenté. Alors, l'avis de motion est donné. 8.7, c'est un autre avis de motion. Madame Dubé. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement identifiant Catherine Primo, circa 1640-1690, à titre de personnage historique de la Ville de Longueuil, sera présenté. C'est adopté. Et 8.8, c'est un autre avis de motion. Madame Parent. Oui, je donne un avis de motion qu'un règlement décrétant un emprunt pour le paiement d'honoraires professionnels pour la réalisation d'études préparatoires pour divers bâtiments municipaux sera présenté. C'est adopté. 8.9, présentation du projet de règlement, CO 2017-986. Alors, qui procède à la présentation? Alors, oui, le projet de règlement CO 2017-986 concerne la fourniture de services professionnels pour la préparation et la réalisation d'audits et d'études préparatoires. Ces services permettront de mieux connaître l'état des bâtiments municipaux sous compétence locale et de préparer les projets d'investissement requis. Pour ce faire, le projet de règlement prévoit un emprunt de 1 285 000 remboursable sur une période de 20 ans, avec un financement à l'ensemble des secteurs desservis, regroupant les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno, Saint-Lambert, ainsi que la Ville de Longueuil. Alors, le projet est présenté. Monsieur Maire, vous avez des questions, commentaires? J'ai juste un petit point, 8.9. Je voudrais avoir une clarification, s'il te plaît. Parce que sur la page 592, il est indiqué que le montant du prêt serait de 1 285 000 remboursable sur 20 ans. Et sur la page 593, il est écrit au point 3 que le conseil décrète un emprunt n'excédant pas de 1 411 000 pour une période de 15 ans. Je veux juste voir une clarification, s'il te plaît, c'est tout. Parfait. C'est noté. Alors, le projet est présenté. Au point 8.10, il s'agit d'un avis de motion. Monsieur Beaulieu. Je donne un avis de motion qu'un règlement établissant un programme d'aide financière pour le raccordement aux nouvelles égouts pluviales dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures dans les rues Émile, Caron, Léonard, Rideau, de Mayfair, de l'Université, du Collège, Hood et dans les boulevards Kimber et Mountain View, situés dans le secteur Bienville, sera présenté. Alors, c'est adopté. 8.11, il s'agit de la présentation du projet de règlement CO 2017-975, pour lequel on vient de donner l'avis de motion. C'est Mme Parent qui fera la présentation. Je vais la faire. Donc, en lien avec l'avis de motion précédent, la Ville présente un projet de règlement visant à aider financièrement les propriétaires d'immeubles situés dans le secteur Bienville qui ont l'obligation de raccorder leur immeuble aux nouvelles égouts pluviales. Ce règlement établit les conditions d'admissibilité, les conditions d'application de l'aide financière, à savoir les documents à présenter avec le formulaire de demande. Également, les modalités pour l'établissement du montant de l'aide financière, pour l'approbation de la demande et pour le versement de l'aide financière. La responsabilité d'application du règlement est la direction du génie. Cette aide est accordée jusqu'à épuisement des fonds. Alors, c'est présenté. Si vous avez des questions, des commentaires, les membres du conseil. Ça va. Alors,
8.12, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et Cardio Plénaire concernant l'utilisation des parcs Michel, Chartrand et de la Cité dans le but d'offrir un programme de conditionnement physique en plein air lors d'événements. C'est adopté. 8.13, présentation du projet de règlement CO 2017-969. Alors, qui fera la présentation? Oui, Madame la Présidente. La Ville est propriétaire de plusieurs terrains inclus dans le bassin de taxation pour le prolongement du boulevard Gaétan-Boucher. En ce moment, la partie des dépenses afférentes aux immeubles non imposables est assumée par des lots imposables compris dans le bassin de taxation. La modification proposée au présent règlement fera en sorte que la partie des dépenses afférentes aux immeubles non imposables, à l'exception des immeubles utilisés aux fins du bassin de rétention, de parcs et de rues, sera dorénavant assumée par les revenus généraux de la Ville. Alors, le projet est présenté. Si vous avez des questions, commentaires, ça va. 8.14 est retiré. 8.15, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et Habitation Mont-Royal relative à l'exécution de travaux municipaux dans la rue Bernard-Hubert. C'est adopté. 8.16, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et Table itinérante Rive-Sud concernant la distribution du magazine L'Itinéraire. C'est adopté. 8.17, approbation d'un marché à intervenir entre la Ville et le ministère des Transports. Il est proposé d'approuver le marché avec le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec, en vertu duquel il est convenu que la Ville exécute le contrat de tonte de gazon et de cueillette de détritus pour une partie des routes 112 et 134. C'est adopté. 8.18, il s'agit de l'adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2017-979 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Parent. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Et Madame Bastien. Monsieur Lécuyer. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, le 9 août dernier, on a procédé à une consultation concernant ce projet. Facile à retenir, il y avait quatre citoyens dans la salle. Il y en a un, par contre, d'un quatre, qui a déposé un mémoire. Et après lecture du document, tout ça, le mémoire n'est pas joint. Alors, pour ceci, je demande le report. Vous demandez le report? Oui, Madame la Présidente. Pour qu'on puisse me fournir du moins le mémoire qui a été déposé, que je puisse en prendre connaissance. Merci, Madame la Présidente. Parfait. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Madame Parent? Bien, en fait, oui, on a eu hier une plénière où est-ce qu'il a été question de cet aspect-là de la question. Et en fait, le mémoire ne vient pas en rien en changer au fait du règlement qu'on veut proposer ce soir concernant le pôle de Roland Terrien. Car, dans le fond, ce qu'on veut promouvoir avec ce règlement-là, c'est le partage des coûts. Et c'est ça qu'il faut clarifier avec les membres du Conseil et pour le bénéfice aussi de la population. Parce que ce qui est proposé, en fait, dans cette entente, c'est qu'on veut partager avec les promoteurs qui seront dans ce dossier-là la charge, alors que habituellement, c'est le promoteur et ou la Ville qui en a la charge, tout dépendant si c'est un nouveau développement ou si c'est un redéveloppement. Et dans ce cas-là, c'est un redéveloppement, donc il serait complètement à la charge de la Ville. Et ce qui est proposé dans ce règlement-là, c'est de justement pas faire ça pour justement éviter que les citoyens de Longueuil en payent plus qu'il ne faut pour un projet d'envergure. Alors nous, membres du comité exécutif, on propose ce soir que ce sommaire décisionnel-là soit adopté pour le bien de la communauté. Monsieur Lécuyer. Oui, merci, Madame la Présidente. Je réitère, j'aimerais prendre connaissance tout de même du document que le citoyen a pris la peine de venir déposer pour le bien-être de tous. Alors, je redemande à nouveau le rapport au mois prochain. Alors, vous demandez le rapport. Êtes-vous appuyé dans votre demande? J'appuie, Madame la Présidente. Vous êtes appuyé par M. Richer. Alors, Madame la greffière, vous pouvez appeler le vote sur la demande de report. Alors, sur la demande de report, Madame Caroline Saint-Hilaire. Contre, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien.
Contre, Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. Contre, Madame la Présidente. Madame France Dubé. Contre. Madame Colette Étier. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Michel Langteau. Pour, Madame la Présidente. Madame José Latendresse. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques E. Poitras. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Pour, Madame la Présidente. Madame Nathalie Boitler. Pour, Madame la Greffière. Alors, la résolution est adoptée à la majorité. Au point 8.19, est reporté, c'est-à-dire à la majorité. 8.19, approbation d'une convention. Il est proposé d'approuver la convention modificatrice de l'acte d'emphytéose consentie à l'Association des producteurs maraîchers du Québec, afin notamment de permettre à l'association d'obtenir une subvention pour leur aménagement en matière de gestion des eaux de surface. C'est adopté. 8.20, approbation d'un addenda. Il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 modifiant le contrat de service de gestion animalière intervenu entre la Ville de Longueuil et les services animaliers de la Rive-Sud et d'autoriser le virement budgétaire requis. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Bastien. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Beaulieu. Alors, M. Langteau. Madame la Présidente, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec certains points, mais il y en a d'autres, j'en ai une petite difficulté. Moi, j'aimerais qu'on retire le point numéro 1, qui est d'approuver l'attenda numéro 1, jusqu'à temps que le gouvernement puisse statuer sur cet événement, sur ce terme-là, là, sur ce règlement-là. J'aimerais ça. Par contre, je n'ai pas d'objection à accepter le point numéro 2. Si on peut retirer le point numéro 1, on va accepter. Bien, je vais accepter là, ça sans demander de vote. Madame Bastien, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Est-ce que M. Langteau pourrait clarifier sa question? Je ne suis pas certaine de bien comprendre son intervention. Certainement, c'est assez évident. L'article numéro 1, de toute façon, le gouvernement doit statuer sur ce point-là, en particulier, éventuellement, eux autres mêmes, pour qu'on puisse statuer à notre tour. Alors, j'aimerais, avant qu'on puisse statuer, que le gouvernement statue. Donc, c'est pour ça que je demande le retrait de cet article numéro 1 pour qu'on puisse adopter le point numéro 2. Tout simple que ça. Madame la Présidente, encore une fois, je réitère, je demanderai une clarification. Est-ce que M. Langteau me parle du point 1 qui signifie sur le projet de résolution, qui est d'approuver l'addenda numéro 1 modifiant le contrat de service de gestion animalière, ou s'il parle du point 1 de l'addenda lui-même? Je parle de l'ensemble de cet article, Mme Bastien. Je crois que c'est assez clair. Là. On parle de l'addenda 1 qui modifie le contrat. Donc, à cet moment-ci, moi, pour modifier le contrat, je veux avoir le reporter tout simplement ou attendre que le gouvernement statue sur ce point-là. Point final. C'est tout. Si on n'est pas capable de faire ça, je vais me demander le vote. C'est point final. Madame la Présidente, je vais juste être Madame Bastien. Alors, il s'agit bien du point 1 de la résolution qui est proposée, qui souhaite que M. Langteau souhaite retirer. Allez-y, Mme Bastien. Si je comprends bien, alors, vous voulez que ce soir, on omette d'approuver un addenda qui modifie, suite à la modification de notre propre règlement. Notre propre règlement, Madame la Présidente, va permettre aux services animaliers de Longueuil de procéder avec attraper, stériliser et relâcher les chats dans la communauté. Il va aussi permettre à la Ville de Longueuil de percevoir les montants pour les licences et d'en faire la publicité et tout ça. Ça reste comme ça, vous comprendrez, Madame la Présidente, que ce sont des coûts supplémentaires que la Ville de Longueuil devra défrayer
tant que le protocole d'entente avec les services animaliers ne sera pas modifié. On va attendre pour rendre service à des gens qui nous demandent depuis très, très longtemps de mettre en place ce service-là. Et si on ne change pas notre règlement, dès aujourd'hui, on ne peut pas le faire, Madame la Présidente. Voilà. Nous sommes bien au point 8.20, Mme Bastien, qui concerne un addenda et non pas au point où toute l'entente est concernée. Madame la Présidente, ce qui est écrit dans le point 1, si vous permettez, c'est bien « lequel a pour objet de prévoir des services relatifs au règlement modifiant le règlement CO 2008-522 sur le contrôle des animaux. Règlement que nous voyons dans quelques points ce soir et qui, si on ne fait pas ça comme ça, les services animaliers ne pourront pas mettre de l'avant les modifications qu'on apporte dans notre entente. » Monsieur Beaulieu? Encore une fois, tantôt, on a été témoin d'un envolé où on parlait de gestion financière. Et là, on dit d'enlever une responsabilité. Je suis correct de ne pas y leur donner la responsabilité, mais on regarde le point 2. Avec M. Langteau dit oui, on y fait un chèque de 90 000 $. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça vient qu'une responsabilité. Ça marche très bien, M. Beaulieu. En réalité, ce que vous voulez, c'est de faire un don de 90 000 $ sans autre responsabilité aux services animaliers. Nous, ce qu'on dit, c'est de confier un mandat supplémentaire par la réglementation pour appliquer la réglementation. Et à ça, on leur verse 90 000 $ pour prendre cette responsabilité-là. Alors, c'est un très, très bon deal. C'est fait à moins cher. Là. En tout cas, c'est assez particulier comme intervention. C'est pas particulier, M. Langteau, pouvez-vous vous lever puis reprendre la parole? Merci, c'est pas particulier, M. Beaulieu et Mme Bastien, de demander le retrait, tout simplement, de cet article numéro 1-là et d'accepter le point numéro 2, qui est de payer la somme de 98 492,19 cents aux services animaliers. Il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre ici, là aussi, dans l'addenda numéro 1, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui doivent être changées par le gouvernement et on attend qu'il ait statué pour pouvoir les changer. Point final, on retire l'article numéro 1, on accepte le point 8.20, ils ne veulent pas l'enlever, je vais demander le vote, tout simplement. C'est tout simple que ça. Là, je ne veux pas s'éterniser là-dessus, là, au permettre. Madame Bastien, vous pouvez... Madame la Présidente, je dois parler chinois. Madame la Présidente, je vais demander au directeur général qui explique la procédure qui est inclue dans le point 1. C'est dommage, ça a été très, très bien expliqué hier à la plénière. Alors, si vous voulez bien vous reprendre comme vous l'avez fait hier, Monsieur le directeur général. Au point 8.20, donc, il y a deux éléments dans la résolution. Une première est d'approuver l'addenda. Une deuxième est de faire le paiement. Le service du contentieux, pour pouvoir faire le paiement, a recommandé, afin que les choses soient faites en toute légalité, de faire approuver préalablement au paiement un addenda, considérant que le service animalier a rendu des services qui n'étaient pas prévus initialement. Quand on regarde l'article 1 de l'addenda, on dit « L'organisme rend à la Ville des services supplémentaires » suivant eu égard aux chiens de race pitbull tels qu'ils sont définis au règlement. Si vous vous souvenez, au cours des derniers mois, le service animalier a dû intervenir dans un secteur qui n'était pas prévu à l'entente, qui était de traiter des chiens dangereux et des pitbulls. On a défini en quatre puces les actions qu'ils ont menées, qui ont engendré des dépenses supplémentaires du montant qui est spécifié à la résolution. Donc, l'addenda a pour but d'autoriser le paiement et c'est uniquement lié aux services supplémentaires qu'ils ont offerts au cours des derniers mois, alors qu'ils n'étaient pas prévus à l'entente initiale. OK, Madame la Présidente, je peux y ajouter quelque chose? Alors, Monsieur Langteau, je vais attendre, je vais terminer de faire intervenir les membres qui le souhaitent, puis vous pourrez conclure. J'ai tout d'abord Monsieur Lécuyer. Oui, merci Madame la Présidente. tout simplement, si je comprends bien Monsieur Langteau, ici, on mentionne bien la race pitbull, d'accord? C'est ça. Peut-être mentionner aussi tout chien dangereux. Bien, je ne veux pas qu'on ait à renégocier le contrat plus tard pour une autre race qui va être rajoutée dans ça pour qu'on aura à avoir des frais supplémentaires. Alors, comment c'est pas ça, M. Bastien? C'est ce que j'allais ajouter, madame. C'est parce que là, on précise une race. Bien, il y a tout le chien qui peut être dangereux.
Il y a des gens qui vont se statuer là-dessus, on verra. Moi, je veux juste m'assurer que s'il y a une autre race qui est considérée dangereuse dans le futur, qu'on n'arrive pas avec une autre entente de 100 000 $ pour prévoir ça. Ou s'ils veulent l'adopter à l'intérieur, les chiens dangereux avec les pitbulls, j'ai pas de problème. Je pense que c'est ça que M. Langteau voulait tout simplement dire, de ne pas se fermer la porte aux autres races, c'est tout. Merci, M. Lécuyer. M. Lemire. C'est ce que j'étais pour ajouter à la toute fin. Alors, Mme Bastien, avant que je redonne la parole à M. Oui, Mme la Présidente. Mme la Présidente, vous comprendrez que les services animaliers Rive-Sud est un organisme sans but lucratif et qu'il ne roule pas sur l'or et que ne pas verser. Avec une modification légale telle que l'a souligné M. le directeur général, serait de mettre en péril l'organisme concernant ses finances. Ils ont vraiment avancé cet argent-là et il serait important qu'il ne soit pas pénalisé par le Conseil de ville. Merci. M. Langteau. Bien, donc, si je comprends, suite aux commentaires de Mme Bastien... bien sûr, excusez-moi. Si je comprends bien, suite aux commentaires de Mme Bastien, par rapport aux commentaires de M. Lécuyer que j'étais pour faire. Tantôt, ça veut dire que mettre race dangereuse, on ne veut pas le rajouter dans le document, dans l'article. C'est ce que j'ai bien compris. Alors, à ce moment-là, vous ne m'offrez pas ben le choix de demander le vote. Bien, j'ai demandé qu'ils le rajoutent, ils ne veulent pas le rajouter. C'est ça qui est la réponse. Alors, vous êtes prêt à faire la proposition qu'on modifie le texte et qu'on conserve l'agenda? Tout à fait. S'ils veulent le faire, ça va être acceptable. Madame. Oui, monsieur le directeur. Je pourrais une précision sur ce point également, si vous me le permettez. En fait, il faut comprendre que l'addenda a été écrit en fonction du règlement qu'on a actuellement. Le règlement qu'on a actuellement sur les chiens fait spécifiquement référence au pitbull, donc l'addenda a été rédigé en conséquence de. Si éventuellement, dans le cadre d'une nouvelle réglementation que le Conseil adoptera dans le futur, on modifie l'appellation pitbull par chien dangereux, évidemment, le contrat qui va être en vigueur à ce moment-là va être adapté en conséquence. Au point 8.21 qui va suivre, il y a une nouvelle entente qui est proposée au Conseil qui vient inclure le traitement des chiens dangereux plus d'autres services là, qui sont bien définis dans l'entente. Donc, je réitère le fait que l'addenda est vraiment lié au contexte actuel, relié à la décision qui a été prise en juillet 2016 d'adopter un règlement sur l'interdiction des nouveaux pitbulls, tel qu'il était dicté au règlement au moment où on se parle, et pour permettre le paiement des coûts supplémentaires à l'organisme qui ne roule pas sur l'or, qui a besoin qu'on lui paie ces sommes-là, parce que les services ont été rendus. Donc, il faut bien associer l'addenda au paiement des travaux ou des services déjà rendus. Parfait. Monsieur, je vais vous demander de reprendre votre place parce que les citoyens n'interviennent pas lors des débats parmi les élus. Monsieur Langteau. D'accord. Avec les éléments additionnels de Monsieur Savard, je vais l'accepter comme ça. Alors, vous acceptez qu'on adopte le point tel qu'il est. Tout à fait. Alors, le point 8.20 est adopté. 8.21, approbation d'un contrat de service de gestion animalière. Il est proposé d'adopter le contrat de service de gestion animalière à intervenir entre la Ville et les services animaliers de la Rive-Sud pour une période de 10 ans débutant à compter de la date de sa signature et d'autoriser la résiliation du contrat qui a été autorisé par la résolution précédente. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Madame Bastien. Je vais l'appuyer. Et M. Beaulieu. M. Lécuyer. Oui, merci, Madame la Présidente. Je comprends très bien. Par contre, si je ne me trompe pas, et corrigez-moi, il reste quelques années encore au contrat, l'ordre de 4 ans. Est-ce que je me trompe? C'est bon? Allez-y de toutes vos questions. Et ma question par rapport au temps restant, au lieu de renouveler pour 10 ans à venir, ce que je suggère à l'ensemble du Conseil, étant donné qu'il y aura un changement de garde au mois de novembre prochain, peut-être de laisser le pouvoir au prochain, de renouveler à nouveau pour un 10 ans supplémentaire par la suite, mais du moins commencer avec le 5 ans qui nous reste, tout simplement.
Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce que Madame Bastien souhaite intervenir? Oui, je vais céder la parole à Monsieur le Directeur général. Personnellement, pour avoir travaillé très fort avec les membres du comité exécutif, cela serait préjudiciable à l'organisme. Alors, je vais laisser le Directeur général expliquer pourquoi. En fait, l'initiative qui a été prise avec Service animalier Rive-Sud de renégocier l'entente origine principalement de certains problèmes financiers ou du moins de la précarité de l'organisme pour son financement. Ceux-ci ayant renégocié les modalités financières de l'emprunt qu'ils ont avec leur institution, ils nous ont approchés afin qu'on puisse revoir le terme de l'entente. Et également, compte tenu que l'organisation a été créée il y a quelques années seulement, on est venu circonscrire plus clairement les services rendus et associer les coûts aux services rendus. Donc, notamment au niveau des chiens dangereux qui font partie de la donne actuellement. Et il y a un nouveau service qui est offert, qui n'était pas offert dans l'entente. Il faut savoir que c'est au même coût pour la ville que ce que ça coûte à peu près actuellement, soit la gestion du cheptel de chats communautaires qu'on retrouve sur le territoire de la ville. Donc, le but de l'entente, les deux grands objectifs, c'était d'assurer la pérennité financière à long terme de l'organisme tout en s'assurant que la ville ne paie pas plus cher et de mieux circonscrire les services offerts à la ville et aux deux autres villes membres du service animalier Rive-Sud. C'est les raisons pour lesquelles on a soumis le projet d'entente au Conseil ce soir qui inclut un volet financement pour l'organisme. Parfait. Alors, Monsieur Lécuyer, ça vous convient? Alors, c'est adopté. 8.22, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2017-981, modifiant le règlement sur le contrôle des animaux. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Madame Bastien. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Et Madame Dubé. Monsieur Miles. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au point 8.22, je voudrais une clarification parce que sur la page 7.9.8 au point 9, le gardien d'un animal visé par les articles 58 et 59 peut en reprendre position dans les trois jours suivants de sa capture. Qu'est-ce qui se passe après trois jours? Si, par exemple, le propriétaire fait garder son chien ou chat par quelqu'un qui le chat ou les chiens s'échappent, et le numéro de contact au fichier de la ville et le propriétaire qui est parti en vacances. Trois jours, me semble, me semble que trois jours est très court. Si quelqu'un est en vacances, est-ce qu'on peut prolonger ça à une semaine ou c'est-tu trop coûteux? Parce que là, si quelqu'un s'en va en vacances, à un moment donné, il ne revient pas, là, qu'est-ce qu'il va faire avec son chat ou son chien? C'est ça la question que je te pose. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Les nouvelles dispositions de l'entente, Madame la Présidente, prévoient toujours que le service animalier garde un animal errant pour trois jours sous observation et qu'après quatre jours, l'animal va être remis à l'adoption s'il n'est pas réquisitionné par son propriétaire. Ce que j'aimerais spécifier, c'est que dès le fin octobre, 1er novembre, vous me corrigerez, M. le directeur général, faisant des gros yeux, c'est pas ça, on aura une nouvelle application qui va être disponible, qui s'appelle Émilie, que j'ai testée et qui est très, très, très conviviale, facile à utiliser, où la personne qui trouve l'animal, que ce soit un policier, un voisin ou quelqu'un qui reste dans une autre ville, pourra juste, en prenant son téléphone intelligent et l'application, en cliquant sur le bouton « Identifier l'animal » et vous aurez le numéro de téléphone du propriétaire que vous pourrez rejoindre. Cela va permettre, selon les services, une réunification des propriétaires et de l'animal beaucoup plus rapidement. Alors, ça vous va, M. Miles? 8.23, approbation. Donc, c'est adopté, 8.22. 8.23, approbation d'une convention.
Il est proposé d'autoriser la présentation de demandes au gouvernement du Québec afin d'autoriser l'exécution d'ententes entre Transport Canada et la Ville dans le cadre du programme d'amélioration de la sécurité routière pour l'élargissement de la surface de croisement entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Ville de Longueuil et celle de Saint-Lambert pour la modification des systèmes d'avertissement, entre la Compagnie des chemins de fer nationaux et la Ville de Longueuil pour l'élargissement de la surface de croisement et d'approuver la convention à intervenir entre la Ville, la Compagnie des chemins de fer nationaux et la Ville de Saint-Lambert concernant la modification du système d'avertissement au passage à niveau croisant la rue Saint-Georges. C'est adopté. 10.1, il s'agit du remplacement d'un odonyme. Il est proposé de remplacer l'odonyme Terrasse du Centre par rue des Jeux du Québec dans la portion est de cette voie privée, sous réserve de l'approbation des commissions scolaires Marie-Victorin et Riverside. C'est adopté. Point 11.1, dépôt de documents questions-réponses. Il est procédé au dépôt de documents questions-réponses faisant suite à des questions soulevées par les élus lors d'une séance antérieure. C'est déposé. 12.1, prolongation d'un contrat. Nous sommes maintenant aux orientations pour le conseil d'agglomération. Orientation de prolonger le contrat pour la fourniture d'un système de radiocommunication et de services d'entretien d'une console radio pour le service de police et le service de sécurité incendie à Belle Mobilité. C'est adopté. 12.2, approbation d'un rapport. Proposé de prendre l'orientation d'approuver le rapport de recommandation de la table de concertation sur l'avenir des terres utilisées à des fins agricoles au Parc national des îles de Boucherville. C'est adopté. 12.3, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2017-263 autorisant la réalisation d'un complexe de valorisation des matières résiduelles organiques. C'est adopté. 12.4, mandat au Centre de services partagés. Il est proposé de prendre l'orientation de confirmer au Centre de services partagés du Québec l'adhésion de la Ville au contrat d'achat regroupé pour l'acquisition de papier pour les photocopieurs et imprimantes. C'est adopté. 12.5, modification d'une résolution. Il est proposé de prendre l'orientation de modifier la résolution concernant le versement d'une contribution financière pour le projet d'acquisition et de rénovation de terrasses Mousseau, phase 2, dans le cadre du programme d'accélogie. C'est adopté. 12.6, autorisation à la trésorière. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser la trésorière à inscrire au rapport financier 2017 les affectations au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la norme comptable sur les passifs au titre de sites contaminés et des avantages sociaux futurs. C'est adopté. 12.7, révocation de nomination. Il est proposé de prendre l'orientation de révoquer les nominations antérieures des membres désignés par la Ville au comité de retraite de régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Hubert et de désigner les personnes suivantes, membres de ce comité, Lorraine Guéboivin, conseillère de la Ville de Longueuil, Michel Archambault, conseillère de la Ville de Saint-Bruno, Luc Boutin, conseiller RH, et Denis Turgeon, également au RH. C'est adopté. 12.8, approbation d'une entente d'entraide. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente d'entraide mutuelle à intervenir entre la Ville et de Longueuil et celle de Montréal concernant un service d'assistance réciproque en cas d'intervention incendie et le prêt par la Ville de Montréal d'équipes spécialisées pour une période de 5 ans. C'est adopté. 12.9, autorisation de virement budgétaire. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser les virements budgétaires apparaissant sur la liste du 19 juillet dernier. C'est adopté. 12.10, autorisation de procéder à une radiation. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser la trésorière à procéder à la radiation des soldes des comptes à recevoir apparaissant sur la liste des créances irrécouvrables du 30 juin 2017. C'est adopté. 12.11, approbation d'une entente. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et le Centre de valorisation du bois urbain concernant la réalisation du projet de mise en valeur du bois urbain sur les territoires de l'agglomération et d'autoriser le virement budgétaire requis.
C'est adopté. 12.12, approbation d'une entente. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville, le réseau de transport de Longueuil, la Société des établissements de plein air du Québec et l'Association touristique régionale de la Montérégie concernant un projet pilote de navette estivale reliant le terminus Longueuil à l'île Charon et le parc national des îles de Boucherville. C'est adopté. 12.13, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la réalisation de travaux d'entretien du cours d'eau des branches 7, 8, 9 et 10 et deux branches sans désignation de la rivière au Pin aux constructions M. Morin Inc. pour un montant qui est estimé à 215 572,57. C'est adopté. 12.14, c'est une adjudication de contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de services d'évacuation, de transport et de disposition par valorisation ou par enfouissement des boues du centre d'épuration Rive-Sud pour une période de 5 ans à JMV Environnement pour un montant qui est estimé à 1 638 888,14. C'est adopté. 12.15, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de services de remorquage, fourrière automobile municipale et d'expertise pour les véhicules remorqués dans le district nord et sud pour une période de 2 ans à remorquage groupe Laberge pour un montant estimé à 999 859,39. C'est adopté. 12.16, adjudication d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de pantalons cargo pour les policiers du service de police à Outdoor Outfit pour un montant qui est estimé à 181 172,43. C'est adopté. 12.17, adjudication de contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour le service de location de véhicules pour le service de police pour une période de 4 ans à location Parc Avenue pour un montant de 844 187,11. C'est adopté. 12.18, il s'agit de l'octroi d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'octroyer un contrat pour la fourniture d'éléments filtrants pour le centre d'épuration Rive-Sud aux industries Fournier pour un montant estimé à 117 418,22. C'est adopté. 12.19, approbation d'une entente de partenariat. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'agglomération de Longueuil à intervenir entre la Ville, les conseils des arts et des lettres de Québec et le conseil montérégien de la culture et des communications concernant le soutien au développement et au rayonnement des artistes, écrivains et organismes culturels du territoire de l'agglomération de Longueuil. C'est adopté. 12.20, emprunt au fonds de roulement. Il est proposé de prendre l'orientation d'emprunter au fonds de roulement de l'agglomération un montant n'excédant pas 366 718 afin de prévoir les crédits requis pour la réalisation de la phase 2 du projet optimisation du système RHPI. C'est adopté. 12.21, approbation d'une entente. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente relative à la gestion de travaux d'entretien de la branche 5 de la rivière au Pin à intervenir entre la Ville et la municipalité régionale de comté de Marguerite-Dioville. C'est adopté. 12.22, présentation d'un projet de règlement. Il est proposé de prendre l'orientation de procéder à la présentation du projet de règlement ordonnant des travaux de construction de l'écocentre Payet et décrétant à cette fin un emprunt lors de la séance du conseil d'agglomération. C'est adopté. 12.23, présentation d'un projet de règlement. Il est proposé de prendre l'orientation de procéder à la présentation du projet de règlement modifiant le règlement ordonnant des travaux préliminaires de construction de 2 écocentres et décrétant un emprunt lors du conseil d'agglomération. C'est adopté. 12.24, présentation d'un projet de règlement. Il est proposé de prendre l'orientation de procéder à la présentation du projet de règlement modifiant le règlement concernant le comité consultatif agricole lors du conseil d'agglomération. C'est adopté. 12.25, c'est une autre présentation d'un projet de règlement. Il est proposé de prendre l'orientation de procéder à la présentation du projet de règlement décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la réalisation d'études préparatoires et la préparation de plans et devis pour divers bâtiments municipaux lors du conseil d'agglomération.
C'est adopté. 12.26, présentation d'un projet de règlement. Il est proposé de prendre l'orientation de procéder à la présentation du projet de règlement modifiant le règlement ordonnant des travaux de réfection du poste de police situé au 600 chemin du lac et décrétant à cette fin un emprunt lors du conseil d'agglomération. C'est adopté. 12.27, approbation d'une demande d'aide financière. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, lequel prévoit notamment les modalités relatives à l'octroi d'une aide financière pour une période débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2019. C'est adopté. Ceci met fin au point qui est à l'ordre du jour, sauf que nous en sommes maintenant au point 13.1, qui est la période d'intervention des membres du Conseil. J'inviterai M. Jacques Lemire à prendre la parole. Bonsoir, Mme la Présidente. Ça va bien? Oui. J'ai pas compris? Oui, absolument. Je sais pas si vous le savez, mais je suis super content aujourd'hui. Hein? Je sais pas si vous avez vu les points à l'ordre du jour. Là. 6.22, 6.23, 6.24. Du resurfaçage de rue. Réparation dans mon secteur, énorme. Les citoyens, ça fait des années qu'ils demandent. J'essaie de les aider le plus possible et aujourd'hui, il y a une oreille qui a écouté. Et je suis bien content que ça ait été adopté à l'unanimité. Alors, je ne peux pas passer à côté de remercier Mme Bastien, parce que c'est avec Mme Bastien que je discute depuis quelques mois pour lui faire comprendre, aller se promener. Alors, ça fait des années qu'on attend après ça. Alors, je peux pas, j'ai rien de négatif aujourd'hui. Je suis désolé, Mme la Présidente. On va rester dans le positif. Alors, on va espérer. On sait les travaux, ça va d'être, ils vont commencer, j'imagine, en septembre. Ça va aller jusqu'à la fin novembre, 30 novembre. Et vous allez recevoir des documents dans vos portes qui vont tout vous expliquer. Alors, je suis bien content pour le secteur La Flèche. Il y en a besoin, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, mais on va mettre environ 1,3 million dans le secteur La Flèche. Alors, merci beaucoup. Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. Oui, merci, Madame la Présidente. Je désire faire une invitation à tous. Le vendredi 8 septembre, il y aura la fête de quartier dans Saint-Vincent-de-Paul, au parc Le Cavalier, de 16h à 19h. Vous êtes tous conviés. Alors, plus qu'on a de plaisir. Alors, je vous attends le vendredi le 8 septembre. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Jacques Poitras. Oui, merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Michel Lanteau. Madame la Présidente. Le micro. Madame la Présidente, juste un petit commentaire en partant. Tantôt, les réponses de Madame Parent au sujet du point 6.21. Elle m'a parlé d'hypothèque. Il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche une hypothèque. Je pense que mes emplois antérieurs peuvent démontrer comment ça fonctionne une hypothèque. Là. Moi, ce que je disais plus tôt, c'est que la comparaison, ma réflexion qui était surtout au fait qu'à titre d'exemple, là, je ne veux pas tout relire ce que j'ai lu tantôt, là, parce que je ne veux pas être redondant, mais lorsqu'on fait un emprunt de 6 millions sur 52 équipements qui sont sur 15 ans pour l'emprunt et que ces équipements-là ne durent pas 15 ans, je me demande la logique, même si le montant est beaucoup plus petit, en payant comptant sur une Zamboni qui peut vivre facilement 20 ans et plus. Alors, c'était juste ça, mon questionnement. Puis c'est ça que je me demande, si c'est ça, assainir les dépenses, les finances de la ville, bien, je me questionne aussi là-dessus. L'autre chose, Madame la Présidente, le mois dernier, le 4 juillet dernier, j'ai fait une demande très, très précise au sujet. Là, je parle du dernier conseil de ville, évidemment, au sujet de certaines dépenses et de certains coûts. J'avais demandé, je ne veux pas le relire sur nos plus problèmes, j'avais demandé, parce que je n'ai pas eu une mosuse de réponse, excusez-le, je n'ai pas eu aucune réponse, je devrais dire. J'avais demandé ce que coûte la mairesse, le cabinet et sa garde rapprochée, qui totalisait 2,6 millions. J'avais aussi également demandé une copie du détail de tous les comptes de dépenses des quatre dernières années de M. Martin Carpentier et de M. Stéphane Bouchard. C'est difficile, ça, à avoir, je vous le dis.
et des comptes de dépenses des membres du cabinet, incluant la mairesse depuis 2009. C'est ça que j'avais demandé le 4 juillet. Si on parle de transparence, là, bien, c'est le temps de me le démontrer que c'est transparent, dès maintenant. Parce que ça fait au moins 45 jours que j'attends après ces réponses-là, que je n'ai pas eues. Cela dit, Madame la Présidente, vous savez, ce soir, au point 6.5, 6.6, 6.7, nous avons donné des contrats pour le soufflage de la neige dans trois dépôts à neige. Concernant les dépôts à neige, suivent. Dans son rapport annuel, la vérificatrice générale de la Ville de Longueuil faisait état d'améliorations importantes devant être apportées au processus de gestion des sites de dépôt à neige, notamment en ce qui a trait aux risques environnementaux. La situation pourrait résulter en l'émission d'avis de non-conformité par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On parle de contamination en chlorure dans les eaux souterraines et de fonte en lien avec la qualité de la neige entreposée. Elle faisait certaines recommandations et j'aimerais savoir si des actions seront prises pour corriger et améliorer la situation. C'est un bon questionnement, je voudrais savoir ça. Et je vais terminer, Madame la Présidente, avec un avis de proposition présenté ce soir. Il est proposé d'inviter les représentants de l'escadron 643 des cadets de l'aviation de Saint-Hubert à la séance du Conseil de ville de septembre afin de procéder à la remise d'un certificat de reconnaissance et à la signature du livre d'or de la ville en début de séance. Adoption d'une résolution visant à honorer l'escadron 643 des cadets de l'aviation de Saint-Hubert, célébrant cette année leur 60e anniversaire. Considérant que l'escadron 643 des cadets de l'aviation de Saint-Hubert célèbre cette année 60 ans d'activité dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Considérant que la diversité des activités de et l'encadrement offert, il permet aux jeunes de l'ensemble du territoire de la ville de Longueuil de développer différentes habiletés et de vivre des expériences exceptionnelles. Considérant que la mission de l'organisme vise à contribuer, au développement de citoyens qui deviendront les leaders de demain. Il est résolu de reconnaître le travail exemplaire de tous les officiers, instructeurs et bénévoles qui contribuent depuis 60 ans au développement des jeunes de Longueuil, nos leaders de demain. De remettre un certificat reconnaissant l'apport important de l'escadron 643 des cadets de l'aviation de Saint-Hubert au développement de la jeunesse. Et d'inviter les représentants présents à signer le livre d'or de la ville afin d'immortaliser leur passage à l'hôtel de ville de Longueuil. Je vous remets cet avis de proposition. Merci. C'est tout, Madame la Présidente. Bonsoir. Merci. Madame José La Tendresse. Oui, bonsoir, Madame la Présidente. Donc, j'ai quelques éléments. Le premier, ce serait peut-être une réponse tout à l'heure concernant la gestion de l'affichage. Je souhaite très préciser que nous avons adopté ce côté-ci de la salle, un règlement qui nous permettra de conserver le nom de chacun des arrondissements sur les affichages. Et on se souvient, c'était un élément qui était très important pour les citoyens et nous l'avons adopté il y a deux conseils. Concernant l'intervention aussi de M. Carl Lévesque, qui nous interpellait comme grande ville du Québec, là, à faire un don au fonds de Restigouche. Évidemment, on est dans un délai très, très serré avant les élections prochaines. Il serait peut-être important de préciser la demande ou l'attente de M. Carl Lévesque envers notre ville et de nous revenir avec la prochaine équipe sur cette demande-là. J'ai aussi un avis de proposition. Vous avez probablement vu dans le courrier du Sud qu'il y aura un écran anti-bruit qui devrait être construit sur la route 116. Mais nous sommes dans un délai très serré, donc j'aimerais déposer un avis de proposition. Je vais vous le lire. Considérant que la Ville a reçu la confirmation du ministère des Transports du Québec que le projet d'aménagement d'un écran anti-bruit le long de la route 116 Est sera inscrit à ces travaux faisant l'objet de planification, considérant que le MTQ requiert un engagement de la Ville
à assumer sa part des travaux à planifier et à réaliser, considérant qu'une entente doit être signée entre la Ville et le MTQ relativement à ces travaux, il est proposé, un, d'autoriser une dépense n'excédant pas 50 % des coûts estimés par le ministère des Transports du Québec pour le paiement de la quote-part de la Ville de Longueuil pour des travaux d'aménagement d'un écran anti-bruit le long de la route 116 Est. Deux, d'affecter en premier lieu la somme requise en provenance du Fonds d'infrastructure selon les sommes disponibles afin de prévoir les crédits requis à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels. D'adopter en trois un règlement d'emprunt autorisant le cas échéant le paiement de la quote-part de la Ville pour des travaux d'aménagement d'un écran anti-bruit le long de la route 116 Est pour l'excédent. Quatre, de mandater les services concernés afin qu'ils collaborent à l'évaluation des coûts du projet et à la rédaction de l'entente devant être signée relativement au partage des coûts. Et finalement, de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Donc, on voulait s'assurer que dans l'espace de temps qu'on avait, qu'on déposait pour être en mesure de sécuriser finalement ce beau projet pour les citoyens. Ça fait longtemps qu'ils attendaient que ce soit fait. Donc, je le dépose. Il est possible que déjà au comité exécutif, on en discutait. Donc, j'aimerais préciser quelque chose qui est important. Hier, dans l'éditorial du Devoir, Brian Miles, je ne sais pas si c'est... Non, d'accord. Nous rappelait que la loi sur l'accès à l'information a 35 ans. Malheureusement, après toutes ces années, et je trouve qu'avec toutes les interventions aujourd'hui, c'est extrêmement d'actualité ce que je vais lire, que l'audace qu'il a fallu pour adopter cette loi fondamentale à notre démocratie a cédé le pas à la partisanerie. La diffusion de l'information qui devait être au départ la norme est trop souvent aujourd'hui devenue l'exception. Les citoyens qui s'adressent à la Ville pour avoir de l'information et nous-mêmes, les élus, nous avons trop d'exemples où la politique se mêle du droit d'accès à l'information. Pourtant, le respect de nos valeurs démocratiques appelle et exige que tous les élus s'informent et soient informés pour défendre les intérêts des citoyens. À la lumière de ce principe démocratique qui fait souvent la une dans les journaux récemment, donc je dirais qu'attendu que l'article 34 de la Charte de la Ville de Longueuil, qui prévoit que le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir les conditions et modalités d'une délégation au comité exécutif, attendu que plus spécifiquement le cinquième alinéa de l'article 34 de la Charte de la Ville prévoit que le Conseil peut également, dans son règlement intérieur, prévoir les conditions et les modalités de la consultation pour tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au Conseil. Attendu que l'article 36 de la Charte de la Ville de Longueuil stipule que la décision du Conseil de déléguer au comité exécutif une compétence ou de lui retirer est prise à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, attendu que les conseillers et conseillères municipales siégeant à titre d'indépendants représentent plus des deux tiers des voix au Conseil et plus des trois quarts de la population de la Ville de Longueuil et qui n'ont pas accès en temps opportun aux mêmes informations que les autres élus. Attendu que cette situation est un accroc aux principes démocratiques les plus élémentaires et nuit à l'éclairage adéquat des décisions du Conseil, attendu que le Conseil est invité à prendre des décisions qui engageront l'avenir à long terme de la population de Longueuil, notamment en matière de finances, d'aménagement urbain et de projets particuliers, attendu que les consultations par la Ville peuvent être perçues improvisées, attendu qu'à la veille d'une élection générale, des correctifs peuvent être apportés à cette situation en évitant un débat de fond sur les prérogatives du comité exécutif et les modalités de leur exercice, et ce, pour ne pas nuire à la bonne marche des affaires de la Ville. Je demande que le greffier transmette
à l'ensemble des membres du Conseil l'ordre du jour, les projets de résolution et de règlement, ainsi que tout autre document au plus tard 48 heures à la suite de toute séance du comité exécutif. Merci. Monsieur Lécuyer. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, d'entrée de jeu, je ne peux pas passer sous le silence. Monsieur Lemire fait mention qu'il était très heureux au point 6.22 d'avoir du pavage. Je pense qu'exceptionnellement, il a oublié de rajouter cette fois-ci son pavage électoraliste. Dans tous les autres discours, en tout cas, il l'a dit. Bref, on passe des rues, que des rues, juste pour la flèche. C'est correct qu'il y en a de besoin, mais c'est assez exceptionnel à un mois des élections que M. Lemire a tous ses rues. C'est correct. Par contre, je tiens juste à rappeler quand même à mon administration que certains des élus ici présents et moi-même, nous avons déposé des rues aussi qui, avec le porte-à-porte, on s'est aperçu qu'ils étaient dans de très mauvais états. Alors, je garde espoir, nous gardons espoir qu'au prochain conseil, tout comme M. Lemire, on aura peut-être des modifications de contrat. Un second point, j'aimerais savoir où est rendu le dossier de la Maison des aînés. On l'avait prévu en 2017, certaines sommes qui étaient pour les études, j'imagine, tout ça. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec ce beau dossier-là, s'il vous plaît. Et en terminant, mais regardez, je suis content qu'à 75 jours quand même des élections, nous avons entendu ce soir que le service 3-1 avait certaines difficultés et qu'on était pour bouger. Les gens l'ont dit, les élus l'ont dit, le protecteur du citoyen l'ont dit, tout le monde est unanime, on a des lacunes à ce niveau-là. Alors, je ne peux que me réjouir qu'on va modifier, ça va dans le sens qu'on n'arrête pas de dire. Alors, bravo, allons de l'avant et bonne soirée à tous. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Donc, je vais commencer par une invitation, Madame la Présidente. Le 30 septembre prochain, la Fondation de l'Hôpital Charlemagne renouvellera son activité, le défi des générations contre le cancer. Donc, j'invite tous les citoyens et les collègues à y participer. On a voté, il y a, par le Conseil de ville et le Conseil d'agglomération, les fameuses motos électriques, tout le monde avait bien hâte de les voir. C'est un projet qui était spécial, nouveau. Mais ça fait longtemps qu'on en a entendu parler et puis on ne les a jamais vus. On va juste avoir des nouvelles à ce sujet-là. Ensuite, Madame la Présidente, il y a un citoyen de mon quartier qui a tenté plusieurs fois de faire une demande spéciale et la voici. Chaque année, derrière chez lui, parce qu'en fait, il n'y a pas de rue derrière chez lui, c'est un boisé, une piste cyclable. Lors de pluie, il y a des inondations qui se produisent dans sa cour. Donc, vu qu'il n'y a pas de limite, l'enclos coule. Il a fait plusieurs demandes à la ville de pouvoir planter en arrière, parce que c'est une piste cyclable. Donc, monsieur s'est promené un peu dans le Vieux-Longueuil et puis a vu que sur la piste cyclable, entre les rues Châteauguay et Jean-Béliveau, il y avait une naturalisation, en fait, du sentier. Et puis, monsieur croit que c'est une excellente idée qui pourrait se passer derrière chez lui parce que les nouvelles plantes qui pourraient être installées, les nouveaux arbres qui pourraient être plantés, viendraient retenir l'eau, en fait, là, qui s'écoule dans sa cour. C'est un problème qui est très, très, très circonscrit à peu près le long de trois propriétés derrière chez eux, en fait. Et puis, ils désirent pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là. Et même, ils ne nous demandent pas un sou. Ils veulent le faire eux-mêmes. Donc, on n'a aucune implication à avoir dans ce projet-là. Et puis, en fait, même, ils se proposent de l'entretenir et puis de faire ce qu'il y a à faire parce qu'ils sont tannés d'avoir de l'eau, en fait, dans leur cour. Je vais vous déposer sa lettre qui m'a fait une lettre manuscrite. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Et puis, je vais vous la déposer. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me poser la question. Chaque mois, depuis quelques mois, je vous dépose, Madame la Présidente, une innovation qui se passe ou dans le monde ou au Québec, dans le monde municipal. En fait, ce soir, je voudrais vous parler d'un camion électrique d'ici, du Québec. Donc, un camion électrique, 100% électrique. Et puis qui sert présentement à faire certaines livraisons. Donc, je ne me demande pas si la Ville pourrait étudier cette option-là
pour nos camions de livraison, aux travaux publics, aux loisirs, tout ça. Donc, je vais déposer ça aussi. Madame la Présidente, au point 1.11, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je l'ai vu en tout cas parce que c'était ma question. J'ai posé une question sur les consultations publiques et sur les, le nombre d'assistants aux consultations publiques. Donc, je vous en fais la nomenclature. 29 mai, 0. 7 juin, 0. 14 juin, 4. 28 juin, 0. Je pense sérieusement que la formule est à travailler, hein, parce que c'est un peu dommage qu'il n'y ait personne qui se présente. Par la suite, l'autorité des marchés financiers. J'en ai parlé. On dirait que je suis un 10 qui saute. J'ai soulevé à plusieurs reprises lors d'un conseil de ville que le comité exécutif et que la direction générale se penchent sur le sujet pour demander au gouvernement supérieur pour un abaissement du seuil à contracter avec l'autorité des marchés financiers. J'ai aucune nouvelle. C'est bien dommage. La plage de Longueuil, Madame la Présidente. On a eu des dépenses qui sont passées ce soir dans les points 6.1 et 6.2, dont pour des hommes grenouilles, pour aller enlever des roseaux, des plantes ou des choses qui ne sont pas désirables dans le fond de la plage. Et puis, 84 000 d'hommes grenouilles, puis 76 000 de sable. Ça fait beaucoup de sable. Si chaque année, il faut recommencer encore ces dépenses-là, il serait-il possible d'avoir un BR ou un BNR, un budget récurrent ou un budget non récurrent, pour le prévoir dans le budget pour justement faire de la saine gestion avec cette plage? Pour continuer sur la plage, serait-il possible d'avoir une enquête origine-destination pour savoir d'où proviennent les gens qui fréquentent la plage et qui prennent la navette de la plage, Madame la Présidente? Et, en dernier lieu pour la plage, serait-il possible d'avoir la provenance selon les plaques d'immatriculation qui sont entrées dans le système pour payer le stationnement? D'où viennent ces gens qui fréquentent ce lieu? En terminant, Madame la Présidente, je vais terminer rapidement. Au parc Racine ce soir, des travaux se dérouleront dans ce parc qui s'offrira une beauté avec la réfection de plusieurs sentiers. Pour tous les citoyens, soyez vigilants aux abords de ce chantier. Merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Miles. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. J'espère que vous avez toutes passé des excellentes vacances. Good evening, ladies and gentlemen. I trust that you all had an excellent summer. Je voudrais féliciter tous les cols bleus de la ville et toutes les personnes du département de la culture et les loisirs pour le travail lors du tournoi Mike Reed et des événements du Canada 150. Je voudrais également féliciter et remercier des cadets de la police de Longueuil qui ont fait un excellent travail hors de la tournoi Reed. Ils ont porté secours de nombreux citoyens et ont même joué une partie. I'd like to congratulate all the city's blue-collar workers, all of the people at the Culture and Recreation Department for their work at the Mike Reed Tournament and the Canada 150 events. I would also like to congratulate and thank Longueuil's police cadets who did an excellent job at the Mike Reed Tournament. They administered first aid to many citizens and they even played a game. La rentrée scolaire est à la veille de commencer, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Donc, c'est le moment où la plupart des familles achètent des fournitures scolaires pour leurs enfants. Malheureusement, certaines des familles dans nos arrondissements éprouvent plus de difficultés d'acheter tout le nécessaire pour la rentrée scolaire. C'est pourquoi nous avons commencé les journées de la rentrée scolaire du président d'arrondissement. Une boîte a été installée au bureau d'arrondissement pour recueillir vos dons. Tous les dons recueillis seront distribués aux écoles primaires de l'arrondissement qui a le tour de distribution aux enfants des parents éprouvant des difficultés financières. Je vous sollicite la générosité des citoyens pour cette bonne cause. Également, j'encourage les autres présidents d'arrondissement à suivre cette initiative. The school year is about to begin. It is not already the case for some. So this is the time of a year when most families buy school supplies for their children. Unfortunately, some families in our boroughs have a hard time buying everything that is needed for the school year. That is why we started the borough president's back to school days. A box is placed in the borough office to collect your donations.
All donations will be distributed to the elementary schools in the borough, which in turn will distribute them to the children of parents with financial difficulties. I solicit your generosity for this good cause. Also, I encourage the borough president to follow this initiative. Le 10 au 13 août dernier, c'était le tournoi de balle de Mike Reed qui a ramassé des fonds pour l'Institut Mackay pour revenir à l'aide aux enfants avec des déficits moteurs, des troubles de communication et des des problématiques visuelles. Plus facile. Et auditives. Malgré l'appui, vous étiez nombreux et d'être présents et je vous remercie. The Mike Reed Softball Tournament took place from the 10th to the 13th of August, raising funds for the Mackay Institute to help children with motor, communication, and visual and hearing impairments. Despite the rain, many of you were present. Thank you. Dernièrement, je veux remercier le Fonds du Cœur, à toutes les personnes responsables pour créer une lettre qui annonçait le projet pilote de la collecte des matières organiques dans Greenfield Park uniquement en français. Lorsque j'ai reçu cette lettre par la poste, je fus pris d'un sentiment de respect, d'inclusion extrême. Cette lettre est seulement des choses que la ville accomplit avec brio et ne peut pas jamais espérer d'améliorer. Ça fait chaud du cœur de voir cette dans Greenfield Park. Sur la lettre, l'entête de la lettre, il dit des bonnes manières, mais je peux vous dire qu'il commence sur le mauvais pied. Lastly, I'd like to thank all those responsible for the creation of the letter that announced the pilot project for the collection of organic materials in Greenfield Park in French only. When I received this letter in the mail, I was overcome by a sense of respect and extreme inclusion. This letter is an example of things the city accomplishes brilliantly and can never hope to improve upon. It is heartwarming to see this in Greenfield Park. Je me pose la question, quand on veut faire un projet, on veut impliquer les citoyens dans quelque chose, il me semble que ça va être facile de l'envoyer et communiquer dans les deux langues, que tout le monde va backer. Encore un gros manque de transparence. À la ville de Saint-Lambert, ils n'ont pas de statut bilingue et ils donnent les services dans les deux langues. Mais nous, on a un statut bilingue. Puis non, c'est juste un pamphlet unilingue en français. J'espère que ça va changer bientôt. Merci et bonne soirée. Thank you and good evening. And je remercie tous mes collègues du conseil. Merci et bonsoir. Madame Colette Etier. Oui, Madame la Présidente. J'aimerais informer mes collègues. D'ailleurs, ils doivent être au courant parce que certains d'entre eux siègent au RTL avec moi. Du succès de la navette, du projet pilote d'une navette gratuite pour se rendre aux îles de Boucherville et aussi à la plage de Longueuil. Alors, c'est un partenariat avec la Ville de Longueuil, Tourisme Montérégie et la CEPAC qui a permis de transporter près de 600 citoyens, dont de nombreuses jeunes familles, en seulement deux jours. Alors, ça gratuitement. Alors, la fin de semaine du 22 et 23 juillet, c'est plus de 1200 déplacements. Du 29 et 30 juillet, plus de 1390 déplacements. Alors, je ne ferai pas une statistique ici ce soir, mais il y a des projets qui sont porteurs pour les citoyens de Longueuil. N'en voici un. C'est une initiative qui a visiblement plu aux citoyens. Et je pense qu'on peut être fiers du travail qui a été accompli. Et je pense que ce projet qui était pilote deviendra, je l'espère, un projet récurrent. Alors, merci et bonne soirée. Merci. Madame France Dubé. Alors, Madame la Présidente, tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être encore une fois cette année coprésidente avec Madame la mairesse de la Clinique de sang d'Emma Québec qui aura lieu à la plage Jacques-Cartier mardi et mercredi prochain. Alors, j'invite les citoyens à venir donner de leur sang mardi et mercredi entre 13h et 20h. Vous savez, c'est un don important. Chaque don sauve des centaines de vies chaque année. Alors, c'est très important. Monsieur Mars, je trouve que c'est une excellente idée pour les fournitures scolaires. Alors, j'embarque. Je serai du projet aussi, étant présidente de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Alors, dès demain, à mon bureau du 300 Saint-Charles, il y aura une boîte aussi pour les fournitures. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Éric Beaulieu.
Merci beaucoup. Vous savez que le rôle des élus, c'est de donner des orientations à la Ville sur comment on veut améliorer le service aux citoyens. Au printemps dernier, nous avons adopté, après plusieurs mois de consultation où 500 familles ont participé, une politique familiale. Une politique, souvent, les gens, la première chose qu'ils nous ont dit, ils m'ont dit « Éric, cette politique-là, on ne veut pas que ça se ramasse sur une tablette comme nombreuses politiques dans beaucoup de municipalités. » Et non, cette politique-là, comme plusieurs autres politiques qu'on a mis de l'avant dans les derniers mois, sont sur notre table de travail à tous les jours. Par exemple, ce soir, nous avons reconduit le programme de couches lavables avec l'organisme, en partenariat avec l'organisme MAM autour de la maternité. Depuis la mise en place de ce projet-là que nous avons mis en place il y a quelques années, des centaines de familles ont pu y participer. Alors, c'est un pas pour l'environnement et c'est un aide pour nos jeunes familles ici à Longueuil. Aussi, un autre élément de la politique familiale qu'on a déposé ce soir, c'est la demande d'accréditation pour devenir municipalité amie des aînés. Des enfants. Des aînés, c'est déjà fait depuis quelques années et on a vu une multitude de projets autour de ce programme-là où les aînés se sont impliqués. Et maintenant, on se tourne aussi, on ajoute nos enfants. Il n'y a pas d'enfants ici. Ils ne peuvent pas parler. Donc, on va être là pour eux, on va parler pour eux. Vous savez que la maxime qu'on a utilisée, c'est « penser et agir famille à Longueuil ». Alors, ce n'est pas juste une phrase écrite dans la politique familiale, c'est vraiment une application qu'on fait au quotidien dans toutes nos décisions, maintenant à la Ville de plus en plus. Alors, je suis très, très fier de cette demande d'accréditation-là qu'on fait au Carrefour Action municipale et famille, laquelle j'ai participé, c'est une organisation à laquelle j'ai participé dans les dernières années à titre de bénévole. Alors, que Longueuil rejoigne ces villes-là, on va être très, très bien reçus, je suis certain, au sein de cette organisation-là. Et on va aller encore plus loin au service qu'on va rendre à nos jeunes enfants ici à Longueuil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Monique Bastien. Considérant qu'il reste juste 4 minutes, je vais céder la parole à Madame Parent et à Madame la mairesse. Merci. Madame Parent. Oui, merci, Madame la Présidente. Un peu étonnée de constater qu'au point 8.3, le message que les élus de l'autre côté de ce conseil ont voulu envoyer à des grandes compagnies qui ne demandent que ça, avec la compétitivité qu'on a sur le territoire de la CMM et même, je dirais, du Grand Québec. Ce sont des attractions qu'on se doit de faire en tant que grande ville pour permettre à des grandes compagnies de venir sur notre territoire. Pourquoi, Madame la Présidente? Eh bien, pour créer des emplois. C'est ça le but, hein? Le but ultime, c'est que des grandes compagnies sont attirées par Longueuil, sont attirées par la zone aéroportuaire et on fait juste leur donner un petit coup de pouce pour leur permettre de venir s'installer et de créer de l'emploi chez nous. C'est ça le but ultime. Mais bon, certains élus de l'autre côté ne voient pas le développement économique du même côté, de la même façon que nous. On en convient, on le reconnaît bien. D'ailleurs, au point 8, point 18, le point à l'ordre du jour, il faut le rappeler pour que les citoyens comprennent. C'était une façon de dire aux promoteurs, bien, tu vas avoir un 900 logements à faire dans ce secteur-là et ce n'est pas aux citoyens de la ville de payer pour les infrastructures qu'on doit mettre pour toi, pour te permettre de construire ça et de faire de l'argent avec ces maisons-là, ces appartements-là, ces commerces-là. C'est ça le but de ce point 8.18. Mais encore une fois, on dit non, on dit oui aux promoteurs et on dit non aux citoyens. Et on dit aux citoyens, bien, vous allez payer la facture parce qu'il y a un promoteur qui a déposé un mémoire. Parce que la personne qui a déposé un mémoire, il ne faut pas se tromper, c'est un promoteur. Alors voilà, on prend le pouls des promoteurs au détriment du citoyen. Moi, Madame la Présidente, ça m'inquiète drôlement pour la suite des choses. Mais pour le bien, il y a des bonnes nouvelles. Ce soir, plusieurs parcs dans tous les districts, dans tous les secteurs de la ville, des trottoirs, on parlait, les citoyens étaient inquiets tantôt, les rues, les trottoirs, il va y en avoir. On a voté des milliers pour des contrats et c'est dans l'ensemble du territoire de la ville, je rassure tout le monde. Alors, sur ce, Madame la Présidente, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Madame la mairesse. Merci, Madame la Présidente. Juste pour savoir, est-ce que vous allez me couper la parole ou je peux finir? Il vous reste une minute. Ah, ben c'est si gentil. Les membres du conseil. C'est gentil. Alors, je vais y aller. Je vais y aller, même si on a commencé en retard et tout le monde a pris son temps de parole. Juste rapidement, Madame la Présidente, je m'adresserai essentiellement aux citoyens qui nous écoutent, autant dans la salle qu'à la maison. Vous avez été témoin ce soir
que la campagne électorale est de toute évidence amorcée. Les candidats sont dans la salle, sont présents ici. Par contre, Madame la Présidente, je voudrais inviter les citoyens à être vigilants, à être attentifs, notamment aux portes, notamment dans le cadre des séances de conseil. Vous avez accès à des documents, vous avez accès à un site Internet aussi. Je dis souvent que moi, je crois ce que je vois. On peut prêcher transparence, on peut prêcher de grandes valeurs, mais il faut voir l'action. Et ce que je vois pour l'instant, Madame la Présidente, c'est que bien que des gens soient nouveaux en politique, font tout de même de la vieille politique. Merci. Bonne soirée, Madame la Présidente. Alors, en ce qui concerne la minute de retard en début de séance, je suis prête à vous la donner, mais j'apprécierais que lors de la prochaine séance, vous me laissiez les copies blanches des questions des citoyens, parce que les autres copies sont difficiles à lire. Alors, habituellement, la copie qui est manuscrite est remise à la présidente de manière à... J'imagine que la greffière va prendre bonne note, Madame la Présidente. En général, on attend que la présidente ait terminé avant de faire des commentaires. J'étais prête à vous donner votre minute supplémentaire. J'en conclue, vous ne la désirez pas. Alors, merci, chers membres du public. Nous serons de retour le 19 septembre pour notre séance qui débutera à 19 h.